Alors, qu'est-ce qu'on a comme draft? Bah là, on a plus les guitares. On a plus les guitares. Khmer, Russie, Vietnam, Aztèque, Égypte. Est-ce qu'on prend Mali? On a déjà fait une game de Russie, elle est sur le YouTube. Est-ce qu'on a fait une game de Khmer il n'y a pas longtemps, je pense. Est-ce qu'on essaie de faire une condition de victoire avec le Vietnam? Je pense que le Vietnam, c'est une cive qui est difficile à faire comme condition de victoire. Genre scientifique ou culturel. Égypte, c'est des gameplays qui peuvent être rigolos. Je jouerai pas à la steak. Je jouerai pas à la steak. Je serais curieux de te voir sur la Hongrie. On va faire des stats, on va faire des goals, on va faire de la science. Je ferai pas de place de théâtre. Vietnam, la musique. Go Russie, turbo culturel, rock band. Bah, la dernière fois, mec, Damory, j'étais avec Sivoki dans une game. Ça s'est terminé après 7 heures de game. Il avait quasiment rasé toute la map. Je faisais 4000 de tourisme. Ça faisait 20 tours que je lui envoyais 4000 de tourisme et ça ne passait pas. Mais Rock Band était à plus de 1300 fois, etc. C'était insane. C'était insane. Ça m'a. Ah! J'étais à 4000 de tourisme. Et je lui envoyais 7000. Je regardais dans les petites valises. Je lui envoie 7000. Les gouvernements, ils s'en foutaient. Ils rasaient juste des mecs. Ils devaient faire des optis aussi. Égypte? Égypte, pyramide, etc. Ouais. L'autre, il est pas encore là, là. Ah, c'est bon. 7000 valises. Et pas celle de Groupon, c'est BBG Live. C'est live! C'est BBG normal. Voilà. Le 4-6.4. Je sais pas s'il y a eu. Je sais pas si ça a été poussé le live, live. Parce qu'on va bientôt ressortir une nouvelle version. La bêta va bientôt finir, etc. S'arrêter. Donc. Enfin, là, il y a une nouvelle bêta qui va se mettre en route plutôt. Saladin, Tomiri, John Curtin, Gorgo, Amourabi, Didon, Ambiorix, what the fuck? Il y a que des top civs. Australie, ok, peut-être un peu derrière. Égypte. Là, c'est une game à voler des rivières au Saladin. Là, si je fais pas ça, il y a Saladin dans la game, il est très 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 bien. Bon, si je veux gagner la game, il faut que je prenne Russie ou Khmer. Mais j'ai peur en fait que vous n'aimiez pas le style de jeu. Avec le Khmer, on pushera quelqu'un sur Chapelle du Grand Maître normalement avec Cuirassier Bombarde. Avec la Russie, peut-être qu'on tuera quelqu'un sur Cosaque 2 étoiles. Et les deux feront une condition de victoire scientifique du côté du Khmer ou culturel et culturel du côté de la Russie. Tu joues pour nous, pour toi. Bah, je veux que ça vous plaise aussi. Curieux de voir Khmer ou Égypte. Égypte, c'est autre chose. Égypte, ça me fait peur parce qu'il y a Ambiorix dans la game. Il y a une Gorgo, donc Ambiorix va me choper les Wonders. Gorgo va me choper les écrivains. Amourabi peut faire des merveilles aussi. Gokmer. Gokmer, depuis le temps que tout le monde pense que t'es Khmer, au bout d'un moment, vas-y, prends-le. Bah allez, let's go alors. Bah oui, voilà. Khmer, top 1 ou rien. Pourquoi tu refuses Aztec? C'est une cive assez particulière, un peu militaire, qui scale sur le late game, qui peut mourir facilement. Donc, bah j'aime pas trop. C'est ma signature cive. Sauf qu'il peut. Khmer et Anjou, c'était meilleur. Oh bah non, faut pas juger. Faut pas juger. Est-ce qu'il a mis déjà des hommes liges? Voilà. Parce que hier, moi, ça me. D'ailleurs, Damo, je devrais pas toujours le faire ça. Je trouve que c'est une grosse erreur. Moi, ça me choque. Hein. S'il y a bien un genre de cive qui peuvent se permettre de faire les hommes liges,
Bah, c'est les cives religieuses et les cives navales. Genre, pip pip. Allez, galère, un tour, vas-y. Toi, tu mets ça là, c'est bon, c'est un pré-build, c'est nickel. Et franchement, je comprends pas. Quand l'autre, il s'est plaint de pas avoir de ressources de luxe, et que je lui dis qu'il y a de l'argent, et de, ou je sais pas quoi, sur une cité-état, et qu'il n'est pas oblige, je suis là, bah mec... C'est bien, qu'est-ce que tu veux? C'est formation militaire, Omlige. Une photo. Putain! C'est une peinture! C'est un tableau! Ouais! Vous me dites si le son est pas trop fort. Hein. Il a pas un poil sur le torse. Vous savez que je me rase maintenant? Ouais. Ah, mais les bracelets, c'est pas le logo de Firaxis? Vous avez vu les bracelets de Jaya? On a un très 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 bon. Le sein ici. Très 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 bon. Alors. On se peut sur l'un 3. On fait pas nos chevaux parce que là il y a les chevaux. On achète cette case. On se met sur un 3. Et après. On verra. Et après on peut se mettre sur un 2-2 là. On pourra mettre le lieu sein là. S'il n'y a pas un bon lieu sein. Et mettre son lieu sein là. Faudra tech poterie. Un peu chiant de tech poterie. On peut mettre le lieu sein derrière. Nickel. Nickel. C'est aussi un zone indus. Hein. C'est aussi un sim indus ici. Une ville là, un aqueduc là. Un aqueduc là, deux zones indus. Mais bon, ça sera peut-être plutôt sur la ville derrière. Marrant, c'est des montagnes. J'aurais pu vérifier avec les poustouflants. Là, on est à combien? On est à 1, 2, 3, 4. Il y a une montagne ou une forêt derrière. Rire Gothès tous les jours. Tous les jours. Le bon et son. Tu te fais épiler à chaque fois chez Zera, hein. On sait. Hein. C'est complètement le logo de Firaxis? Ok. Marrant qu'ils aient fait ça. En vrai. On va où? On va aller voir nos cases. Allez, on a eu un bon land. On est au milieu de la map. Il y a de la forêt tropicale partout. On le sait, de base, on n'a pas besoin de pin. On a des montagnes qui sont à côté, on sait qu'on va faire de la science, on sait qu'on va faire avoir des bons lieux sains. Il va falloir qu'on trouve du gold maintenant dans notre partie, et on partira sûrement d'Ib à cause de ça, parce qu'on voit aucune plantation. Voilà, si j'avais vu quelques plantations déjà dans mon land, je pense que j'enlève la dîme. Quand à partir du moment où je vois 3-4 épices, 3-4 épices, 3-4 thé, 3-4 encens, 3-4 plantations, me dit que ça remplace dîme. Et si je vois des cacao, des bikes ou des diamants, c'est la fête au village, évidemment. Montagne défensive aussi, c'est cool. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Tu as tout à fait raison. C'est quoi l'effet de Simon Bolivar? Alors, c'est plus Simon Bolivar. Jayavarman. Oh, j'étais regardé qui c'était Rajendra Chola, hier. Alors, du coup, Rajendra Chola, c'était un dirigeant indien qui a vécu aux alentours des années 1000, entre 1000 et 1100, un truc comme ça, et qui a permis de récupérer un accès côtier pour l'Inde, pour la route des Indes, pour le marché de la soie, etc. Pour la route de la soie, pardon. Astrologie first. Ah, ils sont bons, mes vieux saints. Astrologie first. On va pas partir sur et là, étant donné qu'on a un cheval ici, c'est notre seule case de plat dans notre empire, et donc du coup forcément c'est du cheval. J'ai joué à One City Challenge pour, et c'est vraiment trop dur. Tu conseilles quoi comme plan de jeu avec un seul ville? Tu joues la chaîne et tu fais des merveilles, et tu essayes de faire une culturelle, ou alors tu joues une victoire religieuse. C'est les deux trucs les plus agréables, plus faciles à jouer. On a un cacao, les gars. On l'avait dit, putain. Il y aura pas la dîme. Un cacao, il y a plus de dîme. Alors, on a une ville ici qui est très bonne à mettre. On est à 4 cases de chez soi. On va s'étaler donc en 5. On a un autre B3 ici. On a un très bon land actuellement parce qu'on a des D2 qui sont partout. On aura un Magnus dans cette B2 avec beaucoup de chop. On a un cacao à récupérer. Et je pense qu'on va avoir... Enfin, j'espère qu'on va avoir un lieu sain sur cette B2. Ça, c'est moins sûr, par contre. Ça, c'est moins certain. On a une autre ville ici. Donc, après là, on pourra se mettre là. On n'a pas encore
On n'a pas encore vu le split? Si, on a vu le split. Par contre, on a. Est-ce qu'on a vu la frise? Les premiers membres d'une civilisation d'importance à atteindre le continent de l'Asie. Ah! C'était là. Donc j'ai un autre continent qui est au-dessus de moi. Donc je suis sur un triple split au milieu de la carte. C'est pas mal. Ça change du spawn, évidemment. Espagne, hein, je vous rappelle. Bias géothermique. Et pourtant, on va mettre deux scouts. On va en envoyer un autre en haut. C'est le Mekong qui est en face de chez moi. Donc du coup, on n'a pas eu de score d'air pour l'Asie. Le Laurasie. On n'a pas eu de score d'air pour le Laurasie. Ça veut dire qu'il y a des joueurs sur le Laurasien. Triple split. Iron Wall, what the fuck. Streamer spawn, ça dégoûte. Spawn de streamer. On s'en sort pas mal. Pour l'instant, pas dire le contraire. Ah, un volcan qui n'est pas nommé. Il n'explosera pas de la partie. Oh, le petit tips là. Island spawn. C'est un peu island spawn. Et on n'ira pas settle vers la droite. On va essayer d'aller récupérer quelques cités-états, quelques petites first meet. Volcan de streamer. Go mercantilisme, carte continent partagée. Ouais, carrément. Alors, dommage parce qu'on va se settle notre B2 et notre B3 sur ce continent Océanie. Mysticisme. Ah, j'ai envie de me flinguer. Tabac ici qui est très très bon avec un très bon lieu saint. Ça sera peut-être notre B2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller vérifier s'il y a une autre 2-2 derrière. Mais je pense que même s'il n'y a pas de 2-2 derrière, on y va. Je pense que c'est mon settle parce qu'on récupère notre source de luxe, on récupère de la foi pour aller voir des rivières, donc on pourra l'avoir plus rapidement. Petit tour de... Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire les forêts tropicales, on a le cacao à travailler sur irrigation. Et on va voir le bon lieu saint. Donc c'est une ville parfaite justement pour le début de partie. Cette ville-là aurait été... Bien, évidemment, on aurait pu acheter le cacao et avoir 3 gold en plus de rendement. Mais c'est pas la meilleure ville. Pourquoi? Parce qu'on peut pas poser notre lieu saint. Et on n'a pas cette accumulation de foi qui va être intéressante pour le early. Voilà, meilleur possible. Ça fera un lieu saint en plus 4, voire en plus 6. Alors par contre, la frise, là comme on l'a vu tout à l'heure, le plus 4 pour l'Asie, ça veut pas dire... que c'est vraiment sûr. Pourquoi? Parce que j'étais le premier normalement à être placé sur la map, étant donné que j'étais le premier au lobby. Donc normalement, forcément, si je vois un continent étranger en début de partie, j'aurai le plus 4, parce que je vais être le premier à être placé. Je crois que c'est un peu ça le problème. On a un autre lieu saint ici, en plus 2, 4 ici, en enlevant le bétail. Ok, c'est quoi ça? C'est une wonder ça? C'est pas une wonder ça. On va passer par là. Ok. 3 tours pour le colon. Une première hutte mysticisme tout à l'heure. Non, j'aurais pas eu les 3 continents. C'est pas vous de pas pouvoir mettre des citoyens dans les cases à plus de 4 cases du City Center, non? Bon, c'est comme ça, c'est la mécanique du jeu. Oh. Pas mal ça. Pas mal ça. C'est quoi ça en face? C'est quoi ça? C'est quoi comme cive? Urbanisme. Ok, on va retourner le chez nous. Pas mal ça. C'est australien là. Bonjour Australie alors. Bonjour Babushka. Ah, Babushka il veut ça? Non, il est en train de sortir son colon.
Ok. C'est ok ça. On va aller scouter un peu vers là-bas. Qu'est-ce qu'on allait travailler? On n'a rien à aller travailler en vrai. Donc c'est bien, mais on n'a pas de case, les gars. Alors, il n'est pas venu vers moi. Je pense qu'il va revenir chez lui. Ok, il y a lui là. Level 1. C'est une wonder, pas loin. Ouah, level 1 sans wonder, c'est dur. Hein. On va faire l'amitié avec lui. Il veut se mettre là? Ouais, il veut se mettre là. Ok, lui il a FS, donc c'est bon. On sera pas volé notre settler qui va vers notre petit tabac. No communication, what the fuck, qu'est-ce qu'il me raconte? Oh non. I tried. Alors j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné, comme vous pouvez le voir. Ou ce qui nous met un peu dans la merde. En fait, ce qu'on a essayé, c'est de se déplacer et en déclarant la guerre, de se faire pousser sur cette case-là. Voilà, du côté de Canberra. Qu'est-ce qui se passe avec le code NOCOM là? Ouais. Il roule? Oui, normalement, Milman, on veut ça. Alors, on peut parler, mais pas de la game. On va faire le jeu simple premièrement, parce que ça va nous apporter un bonus en termes de food, et on va avoir un peu plus de stumble grâce à ça. No talking. Bah ça, ça me surprend quand même un petit peu. Je tiens à vous avouer. Le no talking, déjà que c'est pas bien fun des fois le CPL. Alors là... C'est vrai que ça enlève encore un peu de... Un peu de coolness au jeu, quoi. Oh, pas mal ça. Le coup est brisé. Le coup est brisé. Bonjour Wizark, merci à toi. Ouais, il y a une wonder au nord, j'ai l'impression. Encore un coup brisé. Fais pas comme si tu faisais le chat d'habitude. Mec. On va travailler ça. Donc nos petits cheval. J'ai envie d'aller voir ici évidemment. Alors, si on se fait pas deny nos settles ici, c'est ok. Hein. Bon, bah, la ressource de luxe, certes. Ah, bah oui. Bah,
Bah quand vous voyez plus 8, on le prend quoi. Va falloir que je passe par là. Bonjour toi. 16 sur 19. Et là, mon petit problème, c'est qu'il faut que j'aille vers là-bas, que ça soit safe en même temps. J'ai pas exploitation minière. Et je voudrais avoir irrigation en même temps. Le coup a brisé. On va faire ça. C'est le moins safe, mais c'est le mieux pour mon snowball. On va aller rechercher toutes les techs de début de partie pour aller aménager nos ressources. Pour améliorer donc nos cases. Ça s'est bien fini hier. Plus 8, c'est beau. Hein. Salle ancestrale? Non, pourquoi? Je vais avoir une monumentalité. Donc, salle ancestrale, ça scale assez mal sur une monu parce que c'est à peu près la même chose que tu peux faire. Tu vas avoir une salle d'audience, même si je veux peut-être pas forcément la rusher avec ce pic de Khmer, mais tu la veux quand même. Pas une seule cité, t'as. Et la Gaule à côté. Ça, c'est plus chiant. Il va falloir que j'élimine un des joueurs. 4 tours. 4 tours, après on friendship, et après on lui re-backstab. Et après on essaye de le refaire un truc bizarre. Kimmer, c'est no goof plaza jusqu'à Chapelle, non? Waouh, c'est pas ça, mais quasiment. 51 de fois Dido. Ouais. Ouais, mon petit pote. 6 de fois par tour. Et on n'a pas settle de luxe. Donc du coup, on a une relique ou un Roraima. Je pense qu'on a un Roraima. Alors là, il y a un camp barbare. J'aurais bien voulu acheter une unité. Mais je peux pas parce que je vais envoyer mon scout quelque part. Là, ça va être chiant. Mon scout, mon settler. Écoute. Bon. Ah d'accord, les villages tribaux. 4 villages tribaux. Première hutte mysticisme, c'était pour le troll. C'était pour te dire oui, oui, t'inquiète. T'inquiète, il y a des bons trucs derrière. Mon frère. Mon frère, il y a des bons trucs derrière, t'inquiète pas. Après, il y a eu quoi? Il y a eu un bâtisseur, il y a eu une relique, il y a eu un ego. On attend maintenant le titre de goût. Ouais, il m'aurait bien fallu un scout. Je suis d'accord avec toi. Et ça dégoûte. Prochain tour, on va pouvoir acheter un petit scout, justement, pour voyager sereinement. Ouais, je vais travailler ça. Ok. Ah, oh. Oh. Auckland. On va tuer Auckland. On va carrément tuer Auckland. On va laisser top là-bas, là. Bim, bim, bim. Une 2-2 ici. Ouais, il y a des bonnes villes ici. Putain, il a settle sa B3 déjà, le BTR. Bah ouais, il a des 2-4, forcément. Il a pas encore son Panthéon, mais quand il va avoir petit patu, ça va être bien. Hein. Il veut aller sur la côte. Ah, il y a l'autre sur la côte. C'est mon seul ami. Je pense qu'on va garder Dido en vie si elle fait pas de la merde. Le Gaulois, j'ai peur des Gaulois. Gaulois, c'est vraiment chiant à pêcher. Et c'est sur un timing en plus où il sera ready. Donc. On sait pas encore où elle est. On va voir. Est-ce que je fais ce marbre là? Ouais, je pense que je fais ce marbre. 6 tours. J'y vais. On commence à y aller quoi. Ok, super. 2 tours pour le monument, premier empire. Est-ce qu'on remet la carte des colons? Est-ce qu'on va faire son hôtel d'abord?
Il n'y avait pas un arabe dans la game? Il y a trois religions quand même. Hein. On va faire son hôtel. Il y a trois religions. Et un arabe. Alors moi, mort orchétique, ça me dérange pas. Je préfère avoir chorale si je... Est-ce que je préfère avoir chorale là dans ce land là? Attends, il est super bon ce land. L'Empire des Gaules. L'Empire des Gaules. Mais Campus qui est sorti du côté de l'Australie déjà. Alors on se met où? Est-ce qu'on va récupérer le cacao ou pas? Allez, on va se mettre là. C'est meilleur ville Magnus. C'est ce qui fait à peu près ma décision. Ouais, c'est bon, hein. Pas bien, scout. Bah, on est quand même dans de la montagne, c'est un peu compliqué. C'est dans la droite pour récupérer des chevaux plus vite. On n'a pas de chevaux. Ah, il n'y a pas de chevaux ici. C'est incroyable, ça. Ok. Okay, on va faire le tour. 18 sur 19. Ok. On va essayer d'aller derrière Auckland. Pas de dinguerie de ce côté-là. Prochain tour. Premier empire, le boost, c'est fini. Et on va mettre un petit projet de dieu saint pour ce sécu choral. Je pense. On met un moksha dans notre cap. Et ça roule. Bien sûr, mon pote. Sans du martyr. Gaule, colonie religieuse. Mon pote, dis donc, qu'est-ce que tu fais? On fait quoi? Fait chier, hein, le lieu saint, il sera ici. Je vais devoir acheter une case. Où est mon Simindus? Hop, mon Simindus, il est là. Je peux mettre un aqueduc là? Réponse pour tous les ingénieurs dans le chat. On peut mettre un aqueduc ici sur A2-1. Oh, il a accepté l'accord. Non, hein. Non! Peut-être. Les ingénieurs du chat. M'énerve, hein. Deux tours ou 1, 2, 3, 4. Allez, let's go. Je suis ingénieur et j'en ai foutrement aucune idée. Les voies de Civ sont impénétrables. Ça va bien, ouais, ça. Oh, il y a un spawn de malade, lui. Hein. Il fait un virage à droite et pas un demi-tour, c'est bueno. Parce que là, avec cette ville-là, on peut mettre un aqueduc là. Et là, bon, à partir de ce moment-là, on peut mettre des zones indus, quoi. Ça sera pas incroyable, mais on peut. Ah, yes.
Petit poisson. Petit poisson qui fait plaisir. Alors, est-ce qu'on se casse une de 6? Non, je pense qu'on se la, on se la casse pas. Non, on se la casse pas, putain. Non, je pense pas. Ça me ferait une bombe culturelle. On va vérifier ici quand même. Ouah, tu fais trop chier, toi. Et on se fait un petit monument en deux tours. On aura la carte juste après. Alors, on commence à avoir des problèmes. On commence déjà à travailler trop de cases. Petite amitié. Ah bah non, mais Gimpy, ah bah je suis désolé, Gimpy. Ouais, non, mais je peux pas trahir. Je peux pas trahir l'Australien maintenant. Plus tard, peut-être. Déconnecté. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je comprends plus rien de Zach Duke. La règle, je crois, c'est que si tu... Là, tu vois, normalement, là, tu pourrais... Tu vois, si la ville était sur la 2-1 là, et qu'il y avait que ça, je suis pas sûr que tu peux mettre, que tu peux mettre un Zach Duke ici. Mais là, il y a quand même deux côtés. Hein. Là, tu peux mettre un barrage, normalement. Enfin, normalement, pas là parce que c'est une colline, etc. Mais 100%, je crois que si. 100%, je crois que si. Bah, ça serait bien parce que c'est notre Simindus. Voilà, je vous le pine. Les trois pines, c'est des aqueducs. Et on n'a pas de case, mais on aura des spécialistes. Et on va partir lieu 5 en plus de Nindus. Rien à foutre. C'est une petite dîme, on va prendre une petite dîme. On prend une petite dîme, on a deux cives à côté de nous qui ne feront pas de religion. Même trois cives, donc on va essayer aussi de spread rapidement. Il y a de l'aggro dans ces villes, c'est pas très bien. L'Aqueduc ne doit pas faire un 360. Ah là, il fait un 360. Là, il fait un 360. Non? Non, il fait un 90, là. Ok. C'est technique, hein, quand même. C'est un peu technique. On aura d'autres places de gouffre normalement sur le maïs. Ça, c'est quoi? Un tour, c'est bien, c'est de la culture. On va le travailler. Et ça va nous faire un demi-monument aussi ici. Et ce sera très très bien. Donc on a pris les plus gros bonus qu'on pouvait avoir, plus 5, plus 7, plus 8. Quand on a des bonus comme ça, moi je vous conseille toujours de partir sur Coral pour avoir le plus rapidement théologie. Oula. Mais qui dit théologie dit généralement... What the fuck? Ouais. Are you here? Allô? Yes, I'm here. You crashed. Oh, are you good? Yeah, I crashed, dude. Yeah. Yeah. Can you stop to crash? Is it a scrap vote? No, not scrap. Why do we scrap again? Because yeah, I've got a good spot and I'm happy.
supply. I'm not having fun either. I've got free pasture improvements. Let's go. Allez, on va rien dire. Hein. Voilà. Le 15, il y aura une OPSP, messieurs, dames. Oui, on va jouer à un jeu de plateau. C'est bien comme OPSP. Ah, d'accord. Bon, c'est un jeu de plateau en ligne. On avait déjà fait ça sur Seven Wonders, vous vous rappelez? On s'était fait éliminer premier tour. Bah ouais. Bah ouais, alors que j'étais top 300. Je suis top 300 Seven Wonders. Monde. Monde. Bon, monde, bon, je sais pas si c'est monde, mais il y avait des joueurs internationaux. C'est peut-être pas le classement monde officiel, mais pour moi, c'était 300 monde. Ça a tapé la bonne paye. Non, on va jouer à Splendor ce coup-ci. C'est osé, ça, vu ton public. Ces joueurs sont bien. Ouais. Ouais, Splendor. Donc du coup, je vais commencer un petit peu à jouer là, sur le téléphone ou sur navigateur quand je vais avoir le temps. Durant la semaine, ça sera le 15. Ça sera à 21h, donc ce sera samedi prochain. Si vous êtes intéressé, prévoyez votre soirée. Je serai avec Kenny, avec Xari, et on fera des games avec les viewers, avec les gens, etc. Avec nous. Faut jouer les cartes vertes, je crois. Ah ouais? C'est quoi les tips? Jouer les figures. C'est les valeurs qui sont importantes, non? Je crois que c'est les valeurs importantes. De l'or. Alors, voyons voir où était Babushka, où était notre ami Tomiris. Termes de points dans la game, ce tour 24, 41 points. C'est peut-être un rage quit. Ah, ils sont terribles. Hein. Voilà, quand on joue pas avec des... Je suis désolé, non mais... Certains joueurs de CPL sont juste pas respectueux, quoi. I keep getting error or joining, I restart Steam. Moi, je me demande si c'est pas moi le problème au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas. Ah, ça demande de re-lobby. Je vais refier Axis parce que va y avoir encore un mec qui aura pas mis le bon mode. Moi, je les blâme eux. Hein. Pourquoi tu joues pas sur CFR? Bah parce qu'en fait, au moment où j'ai lancé le stream sur CFR, il n'y avait pas de FFA et je voulais pas faire de squadron. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là sur CFR, on a un format squadron en train de se lancer. Mais le problème, c'est qu'en plus, vous préférez les FFA. Et on est plus chill en FFA, on peut plus discuter, c'est plus sympa. Ouais. Ah ouais, c'est la vérité. Quand on est en squadron et qu'il y a Jack qui est en train de s'énerver un petit peu et que la tension monte, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi aussi, la tension monte. Moi, je suis un joueur compétitif, compétiteur. Je suis une étiqueteuse. Donc j'ai envie de gagner et ça me prend au trip. Et c'est pareil avec Jack, avec Pyro, avec MJK ou quoi que ce soit. Voilà. Alors moi avec MJK, parce que MJK, il a peut-être. Il montre peut-être un peu moins son côté compétitif et cette envie de vraiment gagner. Alors que Pyro et Jack veulent gagner. Donc du coup, je suis... Bah, je suis comme eux, ils sont. Voilà. Je leur demande autant qu'ils me demandent. Et je trouve ça normal dans cet échange-là d'esprit sportif, de joueur. MJK, si je fais une mauvaise game, il s'en fout. Donc voilà, donc je réagis pareil. Je suis d'accord, au final. Ouais, mais j'ai toujours ces deux personnalités qui me trigger, qui sont difficiles, justement. Ouais. Ah, ouais, c'est dur. C'est bon, ils sont en train de rejoindre, j'ai pas besoin de poster le link, ça va? Ça va? Ils vont pouvoir, ouais, c'est bon? MJK, c'est le boss. MJK, c'est le boss! Bonsoir, Skullkiller, j'espère que tu vas bien. C'est bien de varier les teamers compétitifs avec du FFA, exactement. Alors moi, j'adore Jack, donc ça me dérange pas qu'il s'énerve en vrai. Oui, moi aussi j'adore Jack. On parle des 30 premiers tours, mais c'est plus chill quand même. La bipolarité, c'est pas facile. Bah, je comprends les deux façons de penser, je suis comme ça aussi, donc bah, je respecte. Ça rajoute du piquant avec Jack. Oui, mais il y a d'autres joueurs qui pourraient rajouter du piquant, il n'y a pas que lui qui est comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Qui a une personnalité... Atypique. Atypique.
À quand FFA ou Timur débutant sur CFR, mais pourquoi pas Milman? Tu fais comment pour la CWC de Wiku, francophone ou inter? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire pour les prochains squadrons. Je ne sais pas comment on va faire pour la prochaine CWC. Il y a le mercato qui va bientôt s'annoncer. Je vais devoir aller à droite à gauche pour voir un petit peu comment ça se passe. Pacha Kutek qu'on attend. Putain, Pacha. Est-ce qu'il a bien joué Jack pour vous hier? Parce qu'on a demandé à Damory, qui est premier expert naval français. But. Et vous? Vous aussi, vous avez un œil critique. Vous voyez peut-être plus de games que Damory. Peut-être que vous avez une analyse plus fine. Est-ce qu'il a bien joué? Il a loupé l'Arsenal. Je pense qu'il devrait simplement plus quand même y croire de temps en temps au lieu de sombrer mentalement parce que ça démoralise quand même. Ouais, bah bien sûr. Et pourtant, je lui ai déjà montré que dans des situations extrêmement compliquées, on pouvait pas gagner des games. Donc, c'est dur, mais c'est au fur et à mesure. Vous savez, quand vous avez jamais expérimenté une situation, vous ne dites jamais que ça peut se produire. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont besoin de voir en face d'eux quelque chose pour se dire « Ah ouais, c'est possible en fait ». Il a quel âge? Je crois qu'il a moins de 30 ans. Il doit avoir 24, 25, 26, 27. L'Arsenal et l'armée de terre cuite auraient clairement été un plus pour lui. Ah, il a pas eu l'armée de terre cuite non plus? Ah, c'est dommage. C'est pas hier que Jack a trollé les alliances déjà. Wow, on va dire que c'est un petit peu nous deux. Je me suis mal exprimé en anglais. Je voulais que Pyro ait une alliance scientifique pour lui envoyer quelques routes. Pour pouvoir le booster un petit peu. Et en même temps, Jack, elle est pas très avec Pyro, donc. J'ai trouvé ça plat, un peu. Plat. Jack donnait des goals hier, c'était un gameplay contre nature. Oui, oui, il donnait des goals qu'il n'avait pas besoin sur le moment, mais après il reprenait le double. Ça, le problème, c'est qu'il t'en donne 200 sur le tour 1 et qu'il t'en prend 400 sur le tour 2, et toi, t'es là. Non. C'est beaucoup plus 400. Bobby Ben. Faut travailler l'école d'alliance parce que forêt militaire, ça peut être très grave. De fou. De fou. De fou. Contrôle des chugs et de vision globalement la game d'hier. Bah, j'ai l'impression que... Ah ouais. Mais c'est comme d'habitude en fait. C'est que dans une équipe, il faut avoir confiance. Elle est pas de déco, etc. Pas de dinguerie. Faut avoir confiance en ses teammates, connaître un peu ce qu'ils veulent faire, leur rôle, etc. Et être tous sur une page individuelle assez haute en termes de niveau. Et moi, pour moi, parce que j'ai pas regardé si les autres avaient fait ça. Pour moi, Medchok était prise. Je savais, j'avais mes infos. Voilà, avec le guerrier vers le land indonésien, avec les espions, avec le scout à côté de la petite choc de glace, à bout là pour scouter un moment, les petites galères qui allaient et venaient de temps en temps. J'avais mes infos, je regardais le militaire en face, je regardais si ça augmentait son, subitement ou pas. Voilà, pour moi non, mais peut-être que d'autre côté si. On a vu cette ville perse un peu late là dans la toundra, dans la neige. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a Firaxis, c'est trop long. Mais les gars, il n'allait pas faire grand chose en fait le perse au final dans cette game. Mais je m'en suis rendu compte trop tard. Je m'en suis rendu compte trop tard parce qu'à un moment j'ai eu peur. J'étais là, putain, ils ont quand même des bonnes stats, ça va, ils envoient, ils sont toujours là. Et après j'ai regardé donc le cast et ils avaient un... Ils étaient là en stats mais il leur manquait autre chose. Et ça peut arriver des fois qu'il manque des stats et que t'as la foot prod en fait sur le moment. Mais c'est juste que t'as pas bien équilibré pour la suite de la game, pour comment ça va se passer. Ou alors t'as pas eu les possibilités. Voilà, c'est peut-être pas les possibilités. Une ville canal au centre pour prendre Pyro, ça aurait pu dégénérer. Ouais, j'en ai parlé après, à la fin. Sur la petite neige, là, il y avait une case, bim. Mais même l'Indonésie avec des jonques. Tu sais, tu fais un gameplay très all-in. T'es sur 5 villes et tu vas faire des jonques quand tu vas réussir ton timing. En fait, tes 5 villes, tu vas essayer de les aménager le plus possible pour pouvoir sortir de la production, quoi. Personne à déco. Personne à R5. Genre, what a game. Ah non, mais mec...
était pas là le mec. Il était pas là son scout. Il m'a baisé le mec. La Russie nous a baisé. Je sais pas par où je suis passé. Je sais pas par où je suis allé. On va aller par là. On va peut-être traverser la rivière parce que de toute façon, on a peu de chance que la case soit du plat derrière. On va voir. Charmant 2. Un bois, une forêt. Donc on a un marécage ou une forêt tropicale derrière déjà. On a. Ah non, il y a un marécage là. Ok. Ok. Donc on est à plus 1, plus 2, plus 3, moins 1. Ça fait plus 2. Donc derrière, il y a peut-être une forêt et une forêt tropicale. Il y a peut-être un marais et une forêt tropicale. Ou il y a peut-être R. Donc on va quand même aller sur cet 1-2. Parce qu'il y a 2 chances sur 4 qui est R. C'est quand même beaucoup. Parce que c'est un ensemble qu'on va aller récupérer. C'est un ensemble. Ou c'est œil sur un 2-0 tout simplement. Il y a des 2-2 qui sont plus proches. C'est plus proche du campus. On a un triple campus ici. Pas facile de faire un colisée sur ce genre de position. Est-ce qu'on a un colisée ici? Alors on n'a pas de colisée ici parce que ici c'est notre centre de map pour les zones Indus. Donc on n'a pas de colisée vraiment là. On pourrait avoir un colisée justement sur cette case peut-être de maïs. Qui pourrait bien, on aurait une place de théâtre ici. Complexe de loisirs. Colisée. On a un bon lieu sain ici. Et on a un Stone Age qui a été fini. Oh, le Pantanal. Bonjour. Hop. Ouh, des 2-3, des 2-4. Ça fait... C'est beau aux yeux. C'est beau à voir. Ok, je sais pas où il va aller, lui. Et lui, bon, on va le faire traverser le land gaulois, hein, je pense. On va essayer de faire 2 chevaux assez rapidement après. Pour Auckland. Est-ce qu'on va avoir besoin de travail du bronze? Bah un peu quand même. Quand même un peu. Premier empire, on va changer urbanisme. Est-ce qu'on change urbanisme? Ça nous fait plus 3 de prod. Et notre colon, oui, il va gagner 8 de prod le colon. Donc effectivement, on va changer urbanisme into le colon. Et donc on va faire donc 2 colons dans cette ville. On va faire 1 colon en attendant la manœuvre nationale. Artisanat, on pourra pas le boost. Et on a pas mal de fois déjà. On avait sur la map d'hier. Je pense que c'était une bonne map qui était équilibrée. Voilà. Avantage que les deux équipes soient ensemble pour trade. Eux pouvaient trade à 4. Je pense qu'on pouvait trade à 3 de notre côté. Je pense que si on fait un contrôle colline plus ressources de luxe, on a à peu près la même chose du côté des deux équipes. Donc voilà. On va garder la topographie, tiens. Moksha. Non mais est-ce que la place vraiment c'est important Novak? Est-ce que tu mets 25 villes dans Civilization? C'est pas ça la méta. La méta c'est plutôt tôle. Quand tu joues sur cette ville et que t'as des bonnes villes, t'es plutôt content au final en timer. C'est ça la vérité. Et quand tu joues du naval, t'as besoin d'avoir 10 villes sur le du naval? Moi je fais rarement plus de 5 ou 6 villes quand je joue un Japon naval. Rarement. Bah la commutive est plus vieille. Et il y a 2-3 jeunes qui sont là, qui, bon, qui barquent un peu. Mais c'est des jeunes. Nous, on est vieux, nous. Hop. Bim. Petit point de culture en plus. Fait plaisir. On va passer par là. On va aller découvrir les cités-états dans la toundra. Ça doit être la cape ici, faudrait que j'aille la voir.
Ah, les cités-états, par contre, ça c'est vrai qu'on avait un avantage, mais j'ai pas compris comment on n'a pas réussi à le conserver. Comment j'ai perdu Johannesburg? C'est vrai qu'à partir de 3 drops, on peut le kick de la game. Rome te prend ta sieste sur le Killua. Ah, c'est le Killua. Et c'est pas Rome. C'était Deluxe sur l'Indo. Killua, il était parti à un moment. Et j'ai pas vu que c'était pour moi. C'est le Killua qui... Parce que je lui ai posé la question à la fin de la game et je me souviens pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il est retourné imprimer rapidement. Alors que moi, j'ai cliqué les complexes portuaires. Donc il a récupéré Johannesburg grâce à ça. Et moi, j'ai juste go top. C'est Rome le Killua. Ok. Bien joué à lui. Un prêtre. C'est Rome pour Genève le Killua. Ouais, bon, bah. Est-ce, si vous avez une idée de comment il m'a repris la cité-état, parce que j'ai fait formation militaire, j'ai fait... On avait tellement de culture en plus! J'ai fait tout! J'avais tout! J'avais tout! Alors je me suis pas mis en monarchie direct, mais j'avais tout. Et à un moment, j'ai acheté consulat, chancellerie, je me suis mis en monarchie, j'ai mis la carte plus 2, et j'ai vu 21 points d'émissaire, et j'ai fait ah! Alors 21 points d'émissaire dans 3 tours, parce que j'avais un petit peu de points, j'ai 2 nouveaux émissaires, j'ai même mon ministère des Affaires étrangères qui va sortir en plus. C'est. Ok, on va la reprendre. Je pense que j'ai bien joué les marchands pour récupérer le gouverneur, parce qu'il y avait 2 titres sur nationalisme plus génie civil, donc du coup ça nous faisait gouverneur 4. Je pense que Johannesburg était importante dans ce contexte de early game, et pour la fin aussi, parce que c'est une cité-état, ça reste important, il a dépensé tous les émissaires, moi c'est safe, et je peux aller sur autre chose, comme une cité-état avec des ressources de luxe. Mon quartier diplo était très... J'ai pas... Mec... C'est vrai. J'ai fait un campus avant. Le campus de là où je mets le quartier diplo, il est pas bon. Et je sais pas quoi mettre comme quartier. J'aurais dû mettre le quartier diplo. Genève sur l'amiral, c'était prévu ou pas au fait? Bah c'était prévu, mais pas au début de la game. Ouais, je sais que je suis passé au tribunal. Bah les gens me l'ont dit, tu sais, Milman. Une des premières réactions que les gens m'ont dit, c'était ça. Donc, vous gagnez un match et c'est la première réaction. C'est l'histoire un petit peu, justement, du streaming et de... C'est normal aussi d'avoir ça, quoi. Voilà. J'étais là, bon. Pour que tu puisses acheter consulat et la chancellerie, c'est que c'était late, ouais. Bah oui, bien sûr. Le tribunal était particulièrement vindicatif quand même. Allez, merci Yals. Il vient de tomber parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup-là. Ah, c'est dommage si c'était très vindicatif, mais bon, voilà. Je pense qu'avec les mêmes informations que j'avais, je faisais la même chose. Il y a des gens qui sont en train de taper sur des choses dehors. Oh, c'est la merde chez vous aussi? Alors, par rapport aux inondations et par rapport aux poubelles. Nous, à Toulouse, c'est la merde. Les éboueurs, ils font grève. Ah, ils ont dit non, hein. Non, nos avantages, là, on les garde. Non, rien à foutre. C'est le truc du... comment ça s'appelle? Il y a une phrase qui définit justement cet avantage-là qu'ils ont. C'est... En gros, c'est le concept que quand le boulet est terminé, ils peuvent partir. Voilà. Fini parti. Voilà, le fini parti. Moins 11 à Montréal. Merde. J'ai poubelle qui s'entasse dans mon immeuble, c'est génial. J'ai eu le combo inondation plus poubelle à Marseille il y a pas longtemps, c'était pas rigolo.
Zéro déchet chez WAM. Donc je sais pas, ok. Il est où le problème du fini parti? Bah en fait, je crois que c'est quelque chose qui va être arrêté par je ne sais qui, le gouvernement, j'imagine, des institutions. Et donc les éboueurs sont là, bah non, en fait, nous on a cet avantage-là depuis tout le temps, je vois pas pourquoi on nous les enlèverait. C'est logique, hein. Non mais moi je suis... C'est logique. Voilà, j'ai, on me donne des bonbons depuis le début de la journée, depuis de, tous les lundis on me donne un bonbon, je veux un bonbon le lundi. Normal. Et quand ils font grève, ça fait chier. Ah, ça fait chier. Hein. Les poubelles, ça s'entasse. Nous, on a full eau à Toulouse. Là, il est tombé depuis deux jours, un mois de précipitation. Donc du coup, même dans Toulouse même, donc du coup, j'imagine dans les villes un peu plus petites, et puis après dans les villages, dans les campagnes, j'imagine en Ariège. Là, je regardais, il y a Bazièges. C'est en Haute-Garonne. Mais à Bazièges. Full eau. Full eau. Je sais pas si vous... Personne ne voit où c'est Bazièges. J'imagine. Voilà, mais je vois. Bon, en tout cas, si vous êtes dans la flotte, grosse pensée pour vous et bonne chance. Bon courage. Si, si, on va, t'inquiète. Ça s'appelle un acquis. Voilà, effectivement. Un acquis social. Un acquis social. Un acquis professionnel. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal, mais bon. Je sais pas, j'ai pas forcément d'avis, je veux juste qu'il y ait pas de poubelle. Je veux que la situation s'arrête, moi. Moi, j'attends, je suis comme un connard, je suis là, bah mes poubelles, je les mets où? Je sors en plaid. Ça mouille, y a de l'eau partout, je me casse à moitié la gueule, je suis en claquette. Ouais, j'ai mon plaid. Mon plaid, vous savez, pas uniforme. Mais ça me prend tout mon corps. Ouais, ça vient des pieds à ma tête. Donc, je suis là. Je fais pas le fierro, je suis un peu gêné quand même. Je sais pas si les voisins ils commencent à me voir. En plus, je me balade comme ça, il est quoi? Il est 13h, il est 14h. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Début d'après-midi, vous voyez un mec comme s'il venait de se lever en pyjama plaid ou comme si c'était 2h du matin et qu'il était dans son canapé en train de sortir ses poubelles. En claquette. Et en plaid. Et chauve. Alors, c'est vraiment le pire. Je suis sur les berges du Gers, j'habite sur les quais, je serre le cul. Mec, grosse pensée pour toi. Faut ça d'être une sacrée gueule avec les pluies là. Le boulot est pénible, mais c'est pas gênant qu'il part plus tôt si c'est fini. Bah ouais. Enfin, moi je m'en fous en fait. En fait, moi je m'en fous. Juste arrêter les poubelles. Ou non? Rien sous le plaid. Non, j'avais rien sous le plaid en plus. Le mec à 14h en pyjama claquette, il sort pas ses poubelles en général. On peut pas bosser de nuit. Ouais, mais bon, c'est étonnant quoi, quand même, je trouve. Au bord de la Garonne, au Toulouse, il reste encore 2 mètres avant qu'elle ne déborde. On est large. Oui, non, mais ça va pour la Garonne. Non, mais pour nous, on est safe encore. Même s'il y a de la flotte dans les rues. J'ai la merde. Bon, l'autre, il a des coups, l'autre, je suis sûr, il a Alt F4. Il a fait... La game est nulle. Il est dernier au score. C'est un joueur... Vous voyez, ça, c'est les nouveaux joueurs du multi-gaming de Civilization. Ah. Ah. Ils arrivent, ils en ont rien à foutre. Ils vont être ban. C'est leur première game. Ils viennent de découvrir. Ils s'en battent les couilles. Ils reviendront demain. Ils verront qu'ils sont ban. Ils reviendront plus. Nickel. Nickel. Vraiment... Ouais, CPL, c'est un petit peu le zoo, du coup. Oui, c'est un petit peu la jungle, plutôt que le zoo. Alors, attendez, je vais devoir, donc, moi, faire suivant les règles. Sub. Ou si vous voulez, si vous avez... si vous avez envie de jouer à Civilization et que vous êtes sur CPL, vous pouvez venir dans la game. On est dans FFA1, il faut juste rejoindre. Je vous donnerai même le lien. Je vous ferai plaisir, je vous donnerai même le lien de la game. Hop. Et vous allez pouvoir remplacer cette Gorgo. Voilà, alors on est combien là? Ah bah on est 10 là. C'est qui vient d'arriver? Ah non mais le mec il est toujours dans le channel en fait. Il est toujours dans le channel.
Le lien dans le chat. Non, il faut être sur CPL pour que je puisse report la game après. Sinon, après, je vais me refaire ban. Ah ouais, je meurs d'envie de remplacer le Gorgo avec le pire score. C'est ce que j'ai mis en fait dans le sub. Je voulais mettre sub Gorgo, good positioning, hut, worker in hut. Rigolo ça. Mensonge, mais rigolo. Ok, le mec vient de Sorco. Ok. Ok, I'm so sorry de les pauses, but we waited 10 minutes now and you. Are being, you have been kicked off the game because it's too much time now. If you can leave the game, could be cool. Thank you. I'm loading at the moment, but yes, if you want to kick. Oh, it's not me. It's just the rule. You know, I am not deciding anything. I am just following the rule. It's okay. Okay. I'm so sorry. And I hope see you next game. It's okay, you know. Bye bye. Good night. Gorgo, bye-bye. Queen Enjoy. Of Sparta. Okay. Ça c'est bon. Moi je suis trop triste, bah oui mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est trop triste pour lui, bah... Ouais, c'est pas moi le méchant dans l'histoire, c'est moi le méchant dans l'histoire. C'est moi le méchant. Moi je suis le méchant. Je suis pas le méchant. Je suis pas le vilain tonton. Jouer sur un toaster ça a 5 minutes, mais c'est même pas ça. Parce que y a les... Alors il faut quand même un PC convenable pour jouer à Civ. À partir du moment où vous avez un PC convenable et que vous avez les mods corrects et que vous ne faites pas tourner n'importe quoi sur votre PC, vous pouvez jouer à Civilization. Hein. C'est... Ça va, ça demande beaucoup de ressources en hyper late game. Jouez d'abord 80 tours, puis après on verra. Voilà. Parce que les parties, généralement, ça va de mieux en mieux quand on est de moins en moins en plus. Donc, en late game, on est de moins en moins. Je suis sur Mac. Ah non. Non, t'es le juge. Oui, t'es méchant de ouf, mais je suis pas méchant. Attendez, faut que je fasse ma religion. Oh putain. Ok. Ah, c'est Stone Age. Et on avait dit la dîme hein, quand même. Ou alors. Je pense que je suis en bonne distance de faire ça. En fait. Je pense que je suis en super bonne distance de faire ça. Et on verra. Et bim! J'aime bien. J'aime bien, on est en FFA, on fait des trucs un petit peu inhabituels. On peut se permettre. Vous voyez ce que je veux dire? On est là, allez, let's go! Petit prédicateur itinérant. Bon, on sait jouer le Khmer, je pense que ça va pas nous niquer notre game. Mais voilà, c'est un petit peu fun, on verra. On verra. On verra, on sait pas. Qu'est-ce qu'on prendra derrière? Ah, on peut pas prendre croisade avec ça. Ouais, non, c'est pas possible. Par contre, là, je suis en plus 3 parce qu'il m'a donné mon petit, la petite perle, là, tout à l'heure, le mec. On se rappelle. Tire à l'arc, on pourra pas le booster. Par contre, tour 30, on va pouvoir récupérer petit bâtisseur. On va aller récupérer le cacao. Ah, d'accord. Ah, super. Une cité était inconnue, était vaincue. Waouh! Doublé de Pistundra. Spawn de Canadien, ça. Manœuvre nationale, 2 tours. On a Moksha qui arrive. Non, 2 tours. On a 2 colons qui sortent. On en a un qui arrivera avant le tour 30. C'est bien.
On pourra pas le settle. Moins bien. Est-ce qu'on met 2-3 campus ici? Il faudrait que je mette une ville là pour faire mon sim Indus. Plutôt ici, ça marcherait bien mieux. Par contre, c'est un volcan qui explosera celui-là. Mais on va se mettre ici, on va se mettre là, anyway. Ok. Pép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 
Mais il est déjà en prévision. Il faudrait peut-être que j'envoie là. J'ai un bâtisseur à faire en vrai. Actuellement. Pour le moment. Et on va partir en République classique comme un bon joueur de religion. Ligue Diplo, ça ne sert à rien. Tradition militaire, on l'a vu. On n'a pas vu la quête de Genève. Navigation à voile, lancier. Alors quand on va settle sur l'autre, là, on va y penser. Mais on pourrait faire ça déjà, en vrai. Allez, c'est quelque chose, ça va nous rapporter un petit peu de foi directement. Et production de rien du tout. Ayutthaya, navigation astronomique. Deux petits poissons. N'Gazar Gamou, complexe de loisirs. Complexe de loisirs. On va one turn ça. Ça va être bien. Notre petite culture avec notre moksha. On est bien. Putain. On peut me faire ça quand même. Merde. Oh le land. Land de fou. Je vais acheter un bat. Mon ami. Pourquoi il renew pas mon ami? Mon ami. Mon ami. Oh putain. Mon ami. Quand même, je suis center. Du coup, toi, bonjour. Mais du coup, on fait comment? On va settle d'abord là. Hein? Voilà. On se dit ça comme ça. On fait ça comme ça plutôt. On va se mettre ici. Dramaturgie poésie, équitation à pouvoir l'enlever. Un petit tour de maçonnerie, on aime. On va scouter un petit peu, on va refaire justement un bâtisseur à mon avis à un moment. 5 de pop ici. J'ai les réserves. Je pourrais mettre une réserve en discount. C'est possible. C'est possible. On va pas le faire. Je vais pas discount du coup. Du coup, je vais pas discount. Je vais faire des lieux sains. Pas mal au début. Et je vais partir campus et zone indus assez rapidement derrière. Donc je vais pas faire ça. Je vais partir directement sur ça.
Peut-être que je peux discuter un autre truc. Mon land, en fait, doit être travaillé avec attention parce que j'ai pas énormément de cases. Est-ce que tu peux te barrer, toi, je veux te chope. On a de l'argent pour un petit bail. Je vais tuer ça. Là. Ok. On va mettre deux settlers. Là. Ah. C'est vrai. On fera pas le colisée. On fera pas le colisée. C'est là que c'est le mieux. On fera quoi du coup ici? Je sais pas trop, on verra. Ouais, comme ça on récupère ça. Ouais frère, tu aurais pu te péter sur Leia quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'était bien quand même de travailler une 5-0. Tu t'es mis sur un sel en plus. C'est pas fou, hein. Kaboul. Quartier Diplo. Ouais. Carrément. C'est carrément mon projet. Non, je mens. Non, je suis un menteur. Est-ce qu'on pourrait quand même pas faire un petit discount là? 4, 3. Hop, on pourrait faire ça. Yippie-kaye. On peut mettre un truc en discount ici, hein, si j'ai pas de bêtises, avec le campus. Et voilà, c'est en 4 tours. Et on a un petit plus 5. On s'est niqué une petite colline, mais hein, j'ai envie de vous dire. Et là, le lieu ça. Et on va sûrement le chop. Eh oui. Là par contre, on l'a posé, on peut finir ça. Et on fera rien d'autre. Donc on a juste gagné deux petits tours sur un quartier. En temporisant. Fais chier ça. Un petit peu de gueule. Jardin suspendu qui vient d'être fini. Non, là je suis en train de me dire en fait. On va sortir un colon là ici. Ok. Personne n'a eu Taïa. C'est une cité-état qui est très forte. Et je vais commencer bientôt à faire tous mes prasats. Donc on va essayer de récupérer ça. Ah, j'aurais bien voulu poser. Est-ce que je peux pas tamponner un autre tour, hein? Faire loisir encore une fois. Mon ami gaulois. Pour le moment. Ah, je pense que ça va rester un moment mon ami quand même. Putain, j'ai pas regardé les villes de l'autre là. Pour les traders. C'est un peu plus tard, mais quand même. J'ai pas de force mousse à faire. Hein. Hop. Putain, tu fais chier un peu, quoi. T'as fait un peu chier. T'as fait chier tout le monde. On a un plus 3 qui est là. Il nous nique rien. Il est pas sur une forêt. On le prend. 53 de prod. J'ai fini un truc. Je crois que je me suis chié. Et là, avec monnaie, on a aussi travail du bronze à faire. Ouais, on peut pas tuer de barbares. Hein. De toute façon, on n'a pas d'unité. On a tué des barbares déjà. T'inquiète pas, je ne te piquerai pas ton colon. Euh.
Sinon, on va commencer à faire nos petits quartiers. Sur l'extérieur. Pour pas niquer le Simindus. Et là, le Simindus, je pense qu'il va partir avec un aqueduc ici. Ou peut-être là, avec une villa. Ah, c'est bien là, avec une villa. Ok, on va attendre le Magnus prochain tour. 218 de fois. Ah, judaïsme. Ah, judaïsme. Ah, judaïsme un peu partout. Allez. Fais du bien. Allez. Pardon. On a bien les colons. Hein. Ça dégoûte. Je fais souvent ça. Ah, je peux pas partir avec moi. Faudrait que je kill le truc. C'est un peu chier quand même. Ah putain, j'ai encore oublié de remettre Théo. Ah, je suis un peu late sur Théo. Je suis un peu déçu parce que je devais faire juste un tour ou deux sur loisir et j'en ai fait trois. C'est une erreur. On travaille du bronze, maçonnerie, tout ça, ça doit être fait. On va choper la forêt. Mon ami gaulois, Gimpy. Libre passage. Marrant, je joue pas souvent Khmer comme ça. On va acheter un petit bat. On va garder le... Est-ce qu'on garde ça? La Hunza, c'est quoi? Lancier. Pas près de le faire. Genève, ok, complexe de loisirs, quartier diplo. Théologie, ça va me donner un émissaire. Air Max, c'est quoi? C'est tradition militaire. Putain. Tradition militaire. Il n'y a plus de camp ici. Et où le camp? Ça, j'ai bien envie de chop, hein. Ouais, 4 tours, c'est bien. Je remets un settle là. Pareil, je vais chop ça. Allez, le coup est brisé. Le coup est brisé. Merci beaucoup. Je vais avoir du... Aïe, 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 je vais avoir du fer ici. Ça, ça va être terrible. Merci beaucoup, Malm. Belle sylve, ça. Belle sylve, ça. Bah oui, je l'ai joué. Déjà, j'ai fait que ça durant tout le week-end, mec. Alors, attendez, là. Petite embrouille, là. On met une Amani quelque part. Armag ou pas, non. On va juste mettre notre petit pingalou. Pip, 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 pip. Problème au niveau du choix de build. Je pense qu'on va juste faire un petit tour de bat. Et le bat qu'il y a chez moi aussi, là, il sait pas trop quoi faire. On va choper un autre bat. Peut-être pas dû faire ça, moi. On va remplacer les petites cases. L'émissaire, il arrive quand? 5 points, on est à 6 tours. Ok. Oh, oh, yes. C'est quoi ce spawn de l'autre, là?
volcan partout avec son Inca. Moi, je vais aller là. Est-ce que j'ai le libre passage? J'ai pas le libre passage avec le mec qui a un camp barbare. Couscous. 8-1. Pas mal. Pas mal. C'était sûr. Mais ça ne change rien. Donc c'est nickel. Allez, ça c'est fait. Et où le campus ici? Il va être là. Hein. Alors on aura peut-être autre chose, mais pour l'instant on va mettre une petite mine. Hein. Ok, on repart fait haut. Et on va mettre les cartes. Les cartes. Alors là c'est Genève, ça s'est fait chier. On a toujours un colon qui est en prod. Il n'y a plus de colon en prod. C'est parfait. Donc du coup on va mettre plus 25. C'est acceptable. C'est acceptable et ça va augmenter encore. Donc là tout le monde va faire ses bâtiments d'hôtel. Enfin tout le monde. Ils peuvent se barrer les mecs ou pas? C'est quoi leur problème? Toujours des units. Il est où le camp barbare? Il n'y a même plus de camp barbare. Bah lui il est sur la route d'Auckland. Hein. On avait dit qu'Auckland c'était une de nos villes. Il n'a pas envie. Un peu déçu. C'est qui ça? C'est l'Australie? Jojoa là. Là il va venir à faire what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux t'en aller? 100 fois par tour. On voudrait bien voir Armag. Je crois que c'est le prochain tour. Ah non, c'est tradition militaire Armag. Ayutthaya. Est-ce qu'il y a des gens sur Ayutthaya? Ok. Et c'est navigation astronomique. Ok, on a eu la vision. On va pouvoir partir de l'autre côté. Mec, dude, please get back with scout. Ah ouais, merde. Ah yes. Sorry. j'ai oublié encore. C'est de la merde la règle. Vas-y, vont me griffer les deux là. Non mais arrêtez là. Vas-y, mais. Ah, je vais la raser. On l'a vu rapidement. Bah, c'est sur notre land aussi, donc bon. Il y a plus de facilité pour le voir. Va falloir acheter un petit apôtre. Voilà, dès que ça sort, le bordel. On va peut-être plus acheter un settler. Hein. Là, je le resettle. Non, trop long. Pourquoi lui, je comprends pas. Il m'a pas accepté le libre passage.
Il a pris quoi? Il a pris... Oh, c'est dommage, putain, t'as une death de la terre, mec, incroyable. Personne n'est sur les marchands, il y a Zhangyang en first. Vache. Pas mal le petit niveau du FFA là. Pas mal. Est-ce qu'on se dit qu'on part sur une plateforme quoi à un moment de... C'est pas... Putain, navigation à voile, ça marche pas ici parce que c'est un lac. Envie de me buter. Là, je sais pas où je vais avec ce settler, hein, d'ailleurs. Je viens de me rendre compte que là, avec Utica, c'est mort, en fait. Donc lui, il va faire du time. Il va y aller, il va aller là-bas. Il va aller sur la côte, là. Hein? Allez. Allez, let's go. Non, mais... Alors toi, c'est là où je voulais. Il vient me péter à la ville sur ici que je veux. Je sais pas, il veut settle là, le mec. C'est là qu'il veut settle. Je comprends pas où il veut settle, le mec. Il veut settle à côté d'une carrière, la 2-2 carrière. Là, il veut la prendre, celle-là. Non, celle-là. Pourquoi t'es là, toi? C'est quoi son projet, d'ailleurs? Bon bah toutes mes cases se sont travaillées là, hein. Voilà la vérité. Ingénierie, peut-être j'aurais dû partir d'abord avec Aqueduc. Pas trop réfléchi sur le coup. On va faire ça là. Est-ce que tu peux pas... Ok. Ok. Fidélité 6 tours, c'est un peu long, hein. Il est ouf. Putain, je l'ai pas. Je l'ai pas et j'aurais pas de tradition militaire. Fais chier ça. Hein. Allez, 3 gold. Alors. Est-ce qu'on prend la dîme? Religion dominante dans 13 villes. Parce que je vous rappelle qu'avec le spawn qu'on a eu, on s'est dit que... Par contre, je mets plus, pas plus de villes, moi, maintenant. Hein. Je vais juste pêcher quelqu'un. Hein. Je n'ai plus de place. Je peux plus mettre de settle. Donc, au bout d'un moment... Lui, il me casse les couilles. Lui, il a renforcé. Lui, il a renforcé. Il veut pas partir. Ça me... Il y a 3 scouts, il y a un putain... Il y a 4 scouts dans mon land! Les gars, cassez-vous, en fait! Aïe, aïe, aïe! Oui, tata, settle là. Ah, je vais voir si je peux settle ici, du coup. Ah, putain, je voulais mettre mon quartier. C'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que je l'avais pas fait tout à l'heure, mais j'étais en train de parler. Fais au 3 tours. Eh bien... Manœuvre. Carilien tour. Demain. Ouais, barrez-vous. Barrez-vous. Toi, j'ai pas de gueule encore pour t'acheter une case pour ton truc. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé, Inga, pour un... J'aurais dû partir sur Aqueduc d'abord. Hein. Ouais, je sais. je sais. Du coup, je vais te mettre une petite place quoi là quand même ou pas? Toi, t'auras une place quoi à un moment, anyway. Donc, on va commencer après build à le poser quoi. On a quoi? Armag, c'est bon? C'est pas bon, Armag. Hein. On a Utaya. Donc, ça, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. C'est pour ça qu'on a gagné de la culture de fou. Vas-y, mais arrêtez. Arrêtez. Stop. Stop it.
Ce n'est pas possible. Ils sont en train... Ils sont dans mes chocs. Je ne peux pas sortir de mon land. Regardez, il y a des mecs à tous les endroits de mes chocs. Oh. Mec. Je vais tellement traser. Est-ce qu'il va prendre le settler? Bonne question ça. Ah. Oh. Campus en plus en moins 4. Alors, on va prendre la dîme. Navigation astronomique. Pas tout à fait ça que je voulais faire comme quartier là. On va le faire quand même. Je vais le DM sur Discord. Mec. Dude. J'étais sur Discord. Mec. Qu'est-ce que tu crois de la viande en Afrique? Oui, si tu veux, mais bouge ton truc. Tu te prends pour qui? Tu veux juste me mettre mal. Faut que je fasse ça. Ah. Bouge. Mais bouge. Mais friendship. Ah, il vient de me demander qu'est-ce qu'il me donnait si je lui donnais la ville. Non. Qu'est-ce que je lui donnais si je pouvais poser la ville. Genre il veut de l'argent. On va prendre la dîme, hein. Sinon on va pas pouvoir faire la guerre. Ouais, plus 24 gold. Ça c'était fino, ça, le prédicateur itinérant. 15 villes, les gars. Voilà. Quand même. Ouais, ça, c'est de la merde. Allez, toi, viens donc. Personne sur Utaya. Non, mais c'est pas une bonne cité, taf. Merde, j'aurais dû réfléchir un peu plus là, j'ai pas réfléchi. Où est-ce que j'avais posé les trucs? Et là, il faut le Magnus de l'autre côté. Là. J'ai pas changé non plus. Indra pourra. Ouais. Ok. Il vient de me dire, je veux 10 traders à moi. Je veux le backstab dès que j'ai les artilleries. No. Il m'a demandé d'accepter et je lui ai demandé de bouger le scout d'abord. 10 traders, hein, j'ai pas de trader le mec, il croit quoi? Alors enfin. Putain, tout ça pour ça. J'ai deux campus qui vont se finir. Ouais, j'ai un deuxième campus qui se finit là. Ah mais on est obligé d'en arriver à ce genre de stade. That was my plus 18 campus, but okay. Mais non, il n'y a pas de plus 18 campus, c'est mon land en fait. Il n'y a pas de...
Faut arrêter. Belle de 3. Belle de 3. Mais est-ce qu'on n'achèterait pas d'abord la hutte? Est-ce que ça serait pas le bon bail? Est-ce que je chope ça là déjà? Ah. Oui. Non, c'est pas là que je voulais, c'était là. On va juste se mettre là. Et on va mettre le lieu sain là. Cassez-vous de mon land. En fait. L'Empire babylonien, bah salut mec. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est vrai que c'était toi. C'était toi le. Toi, c'est nécessaire. Attends. Putain. On a un deuxième bat possible ou pas, non? Ah, parce qu'il y a la hutte à récupérer aussi. Pas facile. Hein. Pas facile comme décision. Amani, est-ce que j'en ai besoin? J'avais dit... Oh, One Gazer, putain. Complexe de loisir. Oui, bien sûr. Évidemment. Inondable, volcan, Raina, Yazo d'Arapura. Qui on tue? Normalement, on doit tuer le Gaulois parce que c'est celui qui est pas ami avec nous. Mais vu les bails de l'Australien, oh putain. Je les tue tous. J'ai pépé, moi. C'est bon. Plus 10 deux fois. j'ai un vieux sein là. Ok. Ah mais c'est bon, c'est rigolo. Je vais mettre deux petites mines. Mais je vais mettre mes ingénieries, je vais mettre mes aqueducs là. C'est pour ça que je les ai pas faites un peu plus tôt et tout. Hop, petite 2-3. Oh, on a même un lieu sain de l'autre côté. Alors là, il sera quand même meilleur. Couscous 10 balles. Couscous 10 balles. Et du coup. Alors je vais tuer. Je vais tous les tuer. Je pense que je vais tous les tuer. Là j'en suis là dans mon esprit. Mais je suis pas sûr encore. Je sais même pas quoi foutre avec ces cavas du coup. On prend nos clans. Est-ce que l'Indo est Auckland? Bien sûr. Allons prendre Auckland. On peut l'assiéger avec deux unités. Population de 10, non. Non, je peux pas croisade avec prédicateur. Voilà, on va détruire tout le monde. Ce sera beaucoup mieux. L'autre, il aura un fight naval en même temps, peut-être. Ok. Là c'est parti. Hein. L'exacoduc. Les aqueducs. Chacha, j'ai toujours beaucoup aimé. Transporter l'eau. Eh. Va falloir quand même des gueules ici un petit peu. Mais là, bon, on a notre triangle.
Ici, on a on a ça. Ça et ça. Voilà. Allez, fais-toi taper, toi. Watch up une ou deux cases ici après. On va se mettre là. On a cliqué. De toute façon, c'est pas un settler très important, ouais. 10 tours pour l'âge d'or. On a 47 sur 41. Je pense que ça ira. Là, on met le lieu sain. Là, on met l'aqueduc. Ok. Ok! La police? Au niveau des bails à acheter, on n'a pas grand chose comme bail à acheter actuellement. Il faut garder la carte des bâtisseurs. On va mettre un petit point de prod en plus. Oh merde! Vas-y, attaque l'autre! Attaque le Gaulois! Attaque le Gaulois. Let's go. Oh, merde. Ça dégoûte. Je suis fou dégoûté de ce que je vois. Okay. Comment c'est le lieu saint? Je sais pas. Faudrait construction aussi. On va commencer à faire ça. Des spécialistes très très tôt, évidemment. Ah. Ouais, non. On va commencer à aller sur cette case. On va bien chop. Ouf. Le cuivre. Le gold. On va être riche. On va pouvoir acheter deux cases. En plus. Ça, c'est bien. Dis donc, elle a déjà posé la ville sur la côte. Mais ça me... Dis donc, elle est en 45-43. J'espère qu'elle va augmenter un peu en termes de stats. Pour son propre bien. Ok. Plus simple comme ça. C'est plus rapide. Qu'est-ce que je voulais déjà? Je crois que je vous l'ai pas dit. Ce que je voulais. Donc bon, vous pouvez pas savoir du coup. Ah, les goals, coup des cases. Coup des cases. On a toujours les battes. On a toujours les battes. Toujours les battes.
On va mettre tout de suite. Oh, que l'on est en train de faire les murs. On a 10 de prod dans la ville de Harihalaya. Ce n'est pas beaucoup. Ah, mon petit 45 de GPT là. Ah. Ah, ça m'est doux, hein. Bah alors. Ah bah là, je vais peut-être prendre cette case, du coup. Ça a l'air d'être plus pertinent. On enlève une case à encore Tom, j'ai pas envie. Oh, attends, mais pourquoi t'achètes ces cases? De toute façon, ça sera à moi, ça, plus tard. Je te le dis, hein. Pas de rivière ici. Pas de rivière. Ah si, la rivière, on avait dit. Qu'on achète ces cases aussi là. Ok, guild, on peut le changer. Je pense qu'on peut changer la prochaine case. Ingénieur militaire. On doit pas être à longtemps de l'âge d'or, mais je pense que je suis plutôt safe. On se met là. Il y a pas de risque, hein. J'oublie pas un truc là. Non. Chapelle. Cette tour. Ah bah je pensais qu'on était à moins que ça. Salut toi, ça va? Tu ne fais rien? Ok. Prochain tour, on va être à peu près 200 fois. On chope ça, je pense. C'est de la merde comme case. On mettra un truc à un moment. On mettra un truc. Ok, pépé, bah Couscous, putain. Ah mais Couscous, en fait, c'est l'Inca, mon allié dans la game. Excusez-moi. On n'avait pas noté. Mon vélo. Ok. Un 56 GPT. Et ça ne fait qu'augmenter. Le sein, oui, quand même. On le met au bout d'un moment. À nous, si on peut ne pas s'arrêter sur le sein, on le fera. Merde, j'ai mis un mois. Gimpy qui a pris Ngazar, qui est le Gaulois Gimpy. C'est pas la meilleure des idées, mais bon, hein, on fait comme il veut. Il a l'air de mal se passer ce land à Gimpy.
Bien ça. Pim 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 pim. Un emplacement pour la roue, pas du tout. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Ça devrait être dans cette ville. C'est mort. Ça devrait être là. On pourrait la mettre là, la roue, du coup. Mais j'aime pas du tout. C'est un peu pareil là. Ah, ça sentait ça. Ça sentait, la partie était trop bien lancée. Isidore de Millet. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à faire, Isidore? Le Kilwa, la cité interdite, l'armée de terre cuite. Ah, il est dead. Ah, il y a un Artemis à faire. La pyramide d'Artemis. Je suis pas sûr d'avoir quoi que ce soit de possible. Moi. Tu mets un body? Tu mets un body? Ouais, y'en a un là, de serre. Je pourrais faire un Artemis à côté, mais bon. C'est compliqué. Pas compliqué quand même. Alliance scientifique. Non, mais attends. Moi, je vais refuser l'accord déjà. Moi, déjà, je refuse l'accord. Déjà, premièrement. Après, on va voir. Donc, on a Guild à peu près sur le posage de nos zones indus. À peu près sur le posage de nos zones indus. On va devoir équilibrer tout ça après. Ouais, on a besoin de cette production-là. Parce que on en a pas beaucoup hein, dans nos landes. Il va falloir équilibrer donc les cases. Qu'est-ce que tu bosses, toi? Tu bosses pas grand-chose. Tu bosses pas, toi, en fait. Ça devrait être à toi, je suis d'accord. Ça devrait pas être à toi. Ça, c'est à toi. Et rien de spécial. Non? Thinking. Just faking. Oh, chapelle 3 tours. Contre une Dido qui est partie. Oh oui, ça va être bien ça. Ouais, on va backstab Dido. Déjà, pour les villes côtières. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Kaelian. Ce corps scientifique. On va le backstab plus tard. C'est possible. Bon, je trouve que dans cette game, tout le monde mérite un peu de se faire backstab. Hop. Je crois qu'on n'a pas un campus en dessous de 3. Ce qui est généralement une belle chose. À quelques nouvelles cases à travailler parce que c'est un vrai problème. Parce que c'est un vrai souci. Est-ce que je pars sylviculture? C'est époustouflant. Hein. Ouais. Je pense que je vais partir Victor d'abord. Improvise un chant. Pourquoi vous voulez que j'improvise un chant? J'ai pas compris. Vas-y, tu dégoûtes toi.
On allait perdre un de pop. Ça arrive rarement quand on perd des points de pop quand même. Comme même. Ah, j'ai oublié de changer. Bon, c'est pas très grave. Je crois que c'était pas très grave. Est-ce que j'ai des bâtisseurs? J'ai pas joué beaucoup de tours. J'ai pas... pas fait grand chose là. Trois tours église réformée. On va faire après nos unives. Sur quand on va prod des unités. Qui seront des domerets avec des chevaliers. On n'a pas de général. C'est un problème. Je pense qu'il va, on va juste l'acheter prochain tour. Comme un gentil monsieur qu'on est. Ça, normalement, ça, c'est une case. Hein. Bon, la tour est aménagée. C'est quand même bien, c'est quand même joli. C'est propre. C'est propre. Et on va mettre les zones indus après. On n'a pas oublié. Tranquille. Petite case en plus. On travaille le tabac. Ok. Prasad de tour. Belle nouvelle. Armag, ok. La Hunza, Auckland. N. Gazar Gamou. Construire un complexe de loisirs. Normalement, ça devrait pas me poser de soucis à moi. Il y a toujours le colisée. Toujours le colisée. J'aurais dû mettre le colisée ici. J'ai construit un campus. En fait, putain, j'aurais dû mettre un colisée. complètement skip la merveille. Je me suis dit, bon, bah, je suis pas parti dessus. J'ai pas de land pour. On la fait pas. Eh bah si, on aurait dû la faire. Candy. Bien. Belle. Tactique militaire. Tactique militaire, le boost. On est... Détruisez une unité avec un lancier. Je crois que j'ai une quête lancier. J'ai une quête lancier. Navigation en voile toujours. J'ai la Hunza. Et une galère du côté de Auckland. Alors galère, non. De toute façon, on va raser Auckland à un moment. On va tout raser. Petit bateau FFA. Petit FFA avion la prochaine fois. Petit bateau FFA la prochaine fois. Là, il y aura des avions dans cette gamme. Il y aura des nukes. Il y aura un peu de tout. Alors. Hop, théocratie. Fais chier pour les cartes. Ah, si, voilà. Un bâtisseur en plus, j'en ai pas besoin. Pas de bâton en plus, les gars. Et je voulais mettre ça. Plus 17 de prod déjà. Déjà 17. Oh, on est en flux tendu au niveau des golds. Mais tous les joueurs font ça! C'est pas un problème! Merci, Oelien. Oublie que t'es un backstabber, mec. Ok, Kaboul. La Hunza, on avait dit. Un lancier, on va pouvoir le faire. Bon, il me faut le deuxième, troisième point dans Candy. Bien sûr qu'il me faut le troisième point dans Candy. Qu'est-ce que t'as là? Ah, ça, c'est nickel, ça! T'as le chaplain. Voilà. Écoute, hein, je vais me mettre là, moi. Puis on verra comment tu réagis. Hein. Déjà. Merci pour ce coup-là. Merci beaucoup. Ah, il y a un joueur qui a demandé une pause. Bah, il a pas à me demander une pause normalement. Il peut la prendre quand il veut. Il a juste à me mettre P. Juste pas vu. Donc là, je régène. Là, je ne bouge pas. C'est quoi cette pangée là d'ailleurs?
Alors attendez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Yes. On va demander les libres passages à tout le monde. Et vous savez qu'est-ce qu'on va faire après derrière? Un truc de malade mental. On va mettre en exploration automatique nos scouts. Et ça, lui nous a pas redemandé. S'en fout. Frère. Dame Sissu était vaincue. Ça dégoûte. C'est bon pour ça, lancier. J'aurais peut-être dû l'acheter après quand même celui-là. Et sur le moment... Alors attendez, parce que là il y a de la merde encore. Pourquoi? Pourquoi ça? Navigation astronomique, il va falloir le faire. Liang. Vas-y Liang. Oh putain, c'était un exploroto que je voulais. Alors non, pas vous. Parce que vous, j'arrive à plutôt bien gérer apparemment. J'ai pas changé quelque chose. 52 fois 25 de prod. C'est pas mal les cartes. En vrai. De bonnes cartes. On va tuer quelqu'un sur ce push chevalier d'Omray. Et on va enchaîner après. La pause. La pause. C'est posé. Stop. Saleté d'Australien de Babouchka. Je vais faire un petit pipi, je reviens à tout de suite. Je vais même prendre une petite douceur chocolatée. A tout de suite. Je mangerai en live la douceur. Oui.
J'étais en train de me poser une question. Mais comment êtes-vous là? Comment vous étiez au courant que j'étais en train de streamer aujourd'hui? Que j'allais stream? Je n'ai pas communiqué sur les réseaux sociaux. Comment êtes-vous là? Télépathie. Te fous? Tout le monde est venu voir Bisheng. Y'a pas FC Silmi. Ah, y'a pas FC Silmi? Je ferme jamais la chaîne. On attend. Juste, on attend. Je zonnais sur Twitch. J'ai vu Bisheng lancer Sylve sur le stream de Malm. Ça, c'est rigolo quand même. Bon, attendez. Je vais quand même puber un petit peu sur les réseaux sociaux, tranquillement. Les réseaux sociaux, c'est la taverne, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé sur la taverne? Ah ouais, il y a Evan qui m'a fait un petit paint. Ok, c'est clair. C'est clair. C'est clair. On est en live depuis 3 heures. Et on va mettre une petite image de merveille. Aujourd'hui, ça sera une merveille de la zone industrielle. Et si je mets la roue, qu'est-ce qui me marque là? On va prendre ça. Super photo. Ouais, il y a mieux, hein. Ça représente la roue. J'ai mis la roue, j'ai eu ça. Ah, vous le voyez pas bien. J'ai mis la roue, j'ai eu ça. Ça, apparemment, c'est la roue. En tout cas, je voudrais bien vu là-bas. Il y a des rivières, il y a des forêts. Là? Là, il y a de la réserve. Ouais, je suis sûr, il y a un petit bosquet. On le voit pas, là, il est un petit peu loin, mais... il y a les cases de culture. Allez, je vais prendre celle-ci. Enregistrer l'image. Let's go. Let's go. Ah, ça bug. Image.jpg. Ah. Belle image. Allez, c'est parti pour la notification. Si vous n'êtes pas sur le Discord, venez-y. C'est juste en dessous du Discord. Voilà, c'est sur, juste en dessous du Twitch. Il y a plusieurs liens. Vous avez des petites images. Vous cliquez. Bim. Téléportation sur le Discord IFR ou LGE. Vous choisissez. Prenez l'un ou l'autre. Vous pouvez prendre les deux. Ça vous servira. Et du côté de Twitter, quelle connerie on en a dit ou on va dire aujourd'hui? J'ai pas regardé. Est-ce que les gens ont répondu à mes tweets d'aujourd'hui? J'ai dit n'importe quoi aujourd'hui. J'avais mon téléphone en main, j'ai dit n'importe quoi. Esport Ready de ouf. Ah oui, il y a une nouvelle émission d'Esport qui va avoir lieu. Et donc du coup, c'est AAA qui est en train d'organiser ça. Zeltan et Flame Esport qui... Voilà, c'est G6 et AAA, ils vont présenter l'actualité Esport chaque lundi. C'est pas une émission qui réunit des grandes stars, etc. Mais je pense qu'il y aura des informations qui seront cool. Donc voilà, peut-être que vous connaissez les gens, vu que vous êtes des vieilles personnes et que moi je suis une vieille personne. Donc on like évidemment leurs tweets, on leur donne du soutien. Voilà, du baume au cœur un petit peu. Et du côté des autres personnes, alors voilà, il y a ma personne en fait. Voilà mon tweet d'aujourd'hui. Je ne serai pas là à 14h, parce que j'avais dit que je serais peut-être là à 14h. Mais on a reçu la boîte apéro. Cadeau de mon frère. Donc on a ouvert la boîte apéro et il y avait du vin. Bon bah du coup on a bu, hein. On a bu avec Chaton, hein. Et Chaton est en train de boire du vin d'ailleurs. Alone in the canapé. C'est ça, Chaton. Continue. Fais-toi du bien. Vas-y, Chaton. Donc du coup, Laro, parce qu'on était sur ça là. Faut que je poste un message. https://. Est-ce que vous avez vu, il y a une tournée d'un mec qui fait sosie de Freddie Mercury? J'ai pas bien compris. Et je trouvais ça bien, en vrai. Bah ouais, nous on n'a pas eu la chance d'avoir Freddie. Et c'était un showman de ouf. Et je regardais un petit peu des vidéos. Et le mec, bon bah c'est pas Freddie, j'imagine. Mais il se donne. il se donne bien. Ah, attendez, elle est où l'image? Elle est là. Ok.
Ouais, c'est un peu moche, je vous re-switch. Bim. On est en live depuis 17h. Voilà, je leur dis on est en live depuis 17h comme ça. Hop, je re-switch. Pour les baits. Parce que vous savez, Twitter, ils sont moins intelligents que vous. Bien sûr. Donc du coup, bon, ils vont être live, ils vont se dire, oh, il live depuis 17h, puis peut-être que c'est un marathon. Ils vont penser que je live, vous voyez, depuis 4h du matin. Alors que non, je live depuis 17h, 17h, 17h00, 17h d'après-midi. On joue le Khmer. On joue le chauve. On joue moi. Oui. Non. On joue le chauve. Je peux faire ça. Je peux en fait, parce que j'étais là, mais est-ce que c'est pas trop méchant pour les chauves? Mais je peux en fait. Je peux me moquer de ma communauté, entre guillemets. Oui, oui, bah on est tous là, entre chauves. On se regroupe le soir, 19h, on parle entre chauves. On s'installe, petite chaise. Bon, problème de chauve. Encore sur Twitter, des gens parlaient sur les chauves. Les filles, surtout les femmes jeunes, qui ont dit « Ah là là, moi j'ai 14 ans, les hommes avec pas de cheveux, bah je voudrais pas sortir avec. » Bah forcément, c'est ton père. Forcément. Mais oui, les gars, vous inquiétez pas. Les femmes qui n'aiment pas les chauves, c'est juste des filles qui ont 14 ans. Et c'est logique, au final. Tout va bien. Tout va bien, ressaisissez-vous. Vous êtes une belle personne, même si vous êtes chauve. Surtout si vous êtes chauve. Et... Ça fait combien de temps, là? Oh, parfait. Ok. Let's go. Mais bon, le coffre à apéro. Perdez vos cheveux. Et le fétichisme des chauves, ça existe. Et effectivement, si vous voulez plaire à des femmes, en plus d'être chauve. Mes petits conseils. Vous voulez des conseils ou pas? Voici. Si vous voulez juste des conseils sur ci, vous dites. Hein. Ah oui? Bien sûr! Non mais bien sûr! Plus de cheveux, plus de poils sur le sif, on est d'accord. Mais les gars, sourire c'est important. Sourire c'est important. Vous savez c'est quoi? Et là on va redevenir sérieux. Vraiment, entre nous, un instant. C'est cette putain de confiance en soi. C'est s'assumer, c'est s'accepter. Voilà. Et si vous êtes un peu plus... Et en plus si vous êtes un peu unique... Genre, je sais pas, vous avez une corne sur le front, bah alors là, vous allez faire fureur. Voilà, ça c'est mon tips. Ça c'est mes tips. Alors, on va faire la guerre, donc normalement, on devrait mettre Pen and Brush, hein. Et on refera une menu en 3ème air. Et let's go, hein. Allez les gars, c'est parti, c'est maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un petit île de garde là bientôt qui arrive? Pas été pris. L'Australie va prendre ça. Hop toi. Ah non, c'est bon. Il y a les deux musiques. Troisième couille, ça marche aussi. La troisième couille a beaucoup de succès. Sache-le. Voilà. Je te le dis. C'est plus qu'une possibilité. C'est une vraie ouverture. Alors toi t'es là. Ok. Et les dames maintenant. Les petits dames. Allez, let's go. Toi c'est les golds. Non, l'apôtre, le chaplain. Voilà, on a notre chaplain, on a notre général. On a notre unité unique. On va mettre une petite ferme ici. On va switcher le Magnus. Hein. Ouais. On va rechercher un petit peu de chop. Même si on n'a pas beaucoup. C'est pas très grave, on le cherchera quand même. On va mettre des petites mines là en attendant.
Tiens, on va acheter ça. On va pas acheter ça, on va attendre le prochain tour. Ici, on peut aller scouter un petit peu. Histoire d'avoir un peu de vision quand même. Voilà, les deux chevaux, ils étaient où là? Il est où mon autre cheval? Ok. On va rechanger, je pense. On va rechanger les cartes. Puissance pour le siège, évidemment. Évidemment. C'est classique. Production de... pour la zone Indus. Quoi de plus logique? Ou le campus? Ah, campus. Ah, campus. Moi, j'ai aucune université. Je suis pas sûr d'avoir des bibliothèques. Ah, Dido, elle a réalisé ce qui se passait? Ouais. Elle a réalisé ou pas? Ouais, non. No talk. Ah, shit, sorry, putain. Je suis dans 26 villes. Religion dominante dans 26 villes. Vous avez rendu... On est tour 59. Putain de dim qui me donne 52 gold. C'était... Est-ce que c'était pas le move le plus intelligent et le meilleur tips, je pense, de tout ce FFA? Ce prédicateur itinérant. Je peux pas mettre croisade. Prédicateur et croisade, c'est pas possible. Et on va mettre les campus aussi. Campus. Ouais, à bout c'est bien, mais... J'en ai pas besoin, je pense. Je pense que j'en ai pas besoin, j'ai déjà l'apôtre. Après, apôtre plus Abou, c'est vraiment incroyable. Mais je voudrais Hildegarde. Ah, c'est la Finissi qui va le prendre. Ça, c'est pas... c'est pas bon. Mais j'ai voulu jouer mon... mon sim. Et ça, c'est 100 balles. Faudrait que j'aille faire les stupas aussi un moment. La petite ferme 4-1. Ouais, ça part ce tour là, je pense. Je pense que ça part ce tour. Oh non! Le volcan a explosé. Quel mon servin? Je crois que j'avais des cartes à changer. Peu le temps. J'avais des cartes à changer, je me rappelle. Plus 5 sièges, doublé pour campus. J'ai eu tous les points, je suis déjà à 7 points de diplôme. On peut faire une diplôme. Hein. Rigolo une diplôme. Ah, c'est chiant de se faire attaquer. Ouais, c'est chiant, c'est toujours chiant de se faire attaquer. Alors est-ce que j'ai envie de piller ces trucs? Pas vraiment. Parce que je vais reprendre le land rapidement, je pense. C'est ça la vérité. Le quartier diplo? Ouais non, pas tout de suite le quartier diplo, un peu tôt. Un peu tôt pour moi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Auckland. On va mettre les 3 points dans Genève après pour les universités. Assez rapidement d'ailleurs. On va se mettre les petites omniges aussi. On a plus 2, plus 3. Est-ce qu'on a des ressources de luxe à échanger? Carrément. Pas toi. Pas toi. Toi. Oh merde. Une armurerie. Je vais pas aller beaucoup plus loin moi en fait. Je vais remonter Indus. Ça me sert à rien de partir cuirassier, je pense. Je pense que je tue avant. Demeuré chevalier, c'est très très fort. Comment la carte de rendement? C'est quoi nos cartes? Je pense qu'on va enlever conscription, on va mettre les... Il peut me piller là, il peut pas me piller. Mec. Ayutthaya a été rasé, mais quel bâtard! On a envie de... Ça. Ligue Diplo. Et plus 19 de science. On va repartir sur l'autre. Quel bâtard! Ouais, j'ai des monuments à un tour là qui pourraient se finir. Je sais, je les vois. De science, c'est quand même pas mal pour le tour joué là. Est-ce que je peux remettre un émissaire quelque part? Non. Par contre, on n'abuse pas, non? Il va vouloir level up en caravelle?
Hop, on va refaire un petit. Ah merde, j'ai pas. On va remettre les goals. Je pense que ça va être le plus rentable pour nous. On regarde un peu nos cartes. On a évidemment Umlige. On est en train de piller. Je pense qu'on va plus piller en vrai. Plus trop en tout cas. Ouais, quoique si. Hein. Et même un pillage, c'est worse. Par rapport à ce qui se passe dans la game là. Hop, Genève. Ben voilà, on a plus de chance maintenant. Oh, c'est fou. C'est vrai que je lui ai un peu cassé son land. Hein. Mon land. Mais ça nous permet d'aller plus vite sur des choses importantes. Et c'est plus important en fait d'aller plus vite sur des choses importantes que ce que je viens de faire. Que le contraire. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller plus rapidement sur des techs qui vont pouvoir snowball. Et d'acheter un. Rien du tout. Dommage. Dommage. Trop envie de le raser lui. Mais genre, trop envie de le raser. Est-ce qu'on a une unité dans chacune de nos villes? Oui. On peut enlever ça. On peut remettre une petite ferme ici, pourquoi pas. Petite 2-2, histoire de se faire plaisir. Est-ce que la Hunzan a fait convertir à notre religion? On est un peu loin là quand même. Toute la Gaule a été convertie. Hein. Et judaïsme aussi. À Tunsville. Petite victoire religieuse. Je pense pas que ce soit possible, mais bon. Si on arrive, ça sera cool. Tactique militaire, let's go. Ça on récupère. Ah ouais, mais m'ont baisé ça. Hein. M'ont baisé ça. Hein. J'ai pas eu à bout non plus. Attendez, parce que après on va où là? On va là. Je vais finir ça parce que ça me trigger. Qu'est-ce qu'on a découvert? Oh merde, l'arabe. Pas ouf la game de l'arabe. Et tout ça à cause d'une ville qu'il a placée, le mec. C'est la vérité en plus. Imhotep, qu'est-ce qu'on fait avec Imhotep? On peut faire toujours le Colisée. Hein. On peut toujours faire le Colisée. Ici, là, c'est pas mal, là, en vrai. Prochain tour. J'ai pas tapé, tant pis, c'est pas grave. Ouais, ça va demander le CC tour 80. Dans cette game, je le sens. Je le sens.
On va continuer de raser les gens. Allez, s'il va foi. Hein. Un petit bâtisseur ou deux. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Est-ce que je peux changer mes cartes? 205 balles, c'est cher. Par contre, je vais peut-être récupérer un petit marchand pour faire mercantilisme. Ouais, on a des petits projets de campus à faire, si on peut. Parce qu'il y a tous les copains qui arrivent là. Allez, let's go. Est-ce que Marco Polo est déjà passé? Donc Yang, Marco Polo, le mec de la foi. Un titre de couvre en plus, un peu aux F. Prochain tour 6.9. Je voudrais changer mes cartes pour acheter des battes dans les villes qui ont été conquises afin de réamener Gelkaz et bah, d'avoir du, un petit peu de prod. Ça, ça a été converti. Ah bien, il se prête le judaïsme avec le Vatican. C'est vraiment le meilleur pote, le mec. Vous avez vu? Il y avait le Vatican, je pense qu'il y avait le Vatican. Hein. J'ai vu un plus 400 judaïsme qu'à pop. Donc du coup, il faut qu'on aille trouver le Vatican, qui doit pas être si loin que ça au final, non? Je pense. Il pourrait en relancer une comme ça. Exactement. C'est une totale vérité. Vérité la plus totale. Mercantilisme. On a rencontré toutes les civilisations solides. Bonjour à toi. Oh. Vas-y, je te fais ça. On va faire un dernier tour de mercantilisme et on achètera, je pense, le marchand. Ah bon? Étonnant ça, quand même. La Padana qui est sortie. On n'a pas encore les hommes liges, mais ce sera prochain round. On va doubler l'espion pour qu'il soit plus ou moins sûr de pouvoir faire correctement son bail. Et on va être en plus 6 d'activité, plus 6, plus 5, non? Avec le Colisée. Alors à part pour la cape du coup, mais bon, on va pas noter. 15 tours pour la révolte. On va voir ça plus tôt, évidemment. Alors, parce qu'il y a ça aussi, hein, faut que j'économise de la foi, mais bon.
On a beaucoup. Et on va partir après. Après Indus. On va repartir mécanique pour le Killua si c'est pas encore fait. Oui, plus, plus. Irel, c'est pour Irrelevant. Exactement. Et c'est l'Irel demandé de la part de Daido. Merci à toi. Bonne fin de journée. On sera donc à la 7ème place du côté de Dido. Et les groupes de rock, c'est pour quand? Ah bah les groupes de rock, ça avance. Ok, past. Leave Dextern. Donc bâtisseur Omlige. Et peut-être la carte pour les merveilles. Tiens, c'était le dernier. J'aurais bien voulu avoir Bisheng. 16 points, 16 points, 14 points. Il a combien l'autre là, l'Australien? 17 points. On est à peu près pareil que moi, quoi, en gros. Ouais, on a refait les deux petits monuments ou greniers qui nous manquaient. On a du mal, on a beaucoup de villes, mais on n'a pas de prod. S'il se fait attaquer, lui, il est mort. Et il n'arrivera pas à réagir. Il est trop derrière en termes de casse travaillée, de mines produites. Alors qu'il a D1-4, il a toujours des 2-2 sur son land, des trucs qui pourraient être chop. Il n'y a pas une rotation qui a été faite correctement. Ok. Ah, il peut pas prendre ça, merde. Mercantilisme, ok. Ah ah, les caravelles. Oh oh oh, les deux brailles. Il y a tous les éléphants. Soft. Tu vois, soft. Quatre tours. Quatre tours, c'est bien. J'ai pas envie d'enlever le sac de prod sur cette ville. Alors en toute franchise, ça me dérangera pas de prendre Galilée, mais donc du coup il me faudra 3. Je voudrais Newton, en fait je les voudrais tous sauf Emily, Engazar qui m'a été reprise, Joseph. On regarde les cases un peu. Ça a l'air d'aller. Ça, c'est pas normal. D'ailleurs, faut juste faire ça. Faut que je remette des trucs là. Alors, est-ce que je le prends, notre ami Galileo? Galileo, j'ai un projet prochain de Tor. Est-ce que je peux le mettre dans un 5? Je peux le mettre dans un 4. Dans un 4 de montagne. Et ici ici c'est un 5, mais bon. Est-ce que on peut passer? On sait même pas. Là on aurait pu avoir un truc. Est-ce que je prends Galilée ou pas? Joseph. C'est quand même un Sylindus correct. C'est correct, on n'a pas la zone Indus dans la B1. On a un peu de problème, ce négociant va être utilisé en interne. Merfing, c'est pas faux. Faut ce qu'il dit quand même.
Colisée Tour 68. Dans le plus grand des calmes. Il n'a pas pris ça encore. Le con. Non, route interne, on avait dit, mais bon. J'ai assez, 1350, je pense que j'ai peut-être assez. C'est un que je veux. Bon, ça se passe bien. Allez, on va le péter dans les 5 là. Iboun. Place de théâtre. Kezako. Campus plus 1. Campus plus 0. Ça, et je voulais un autre truc. Je voulais un autre truc. Est-ce que je voulais un autre truc? Je crois pas. Ah, fallait que je joue là. Oh, croyance 62. J'adore. Mon dieu. Il m'a donné... Non mais mort de rire. Mort de rire la botte. J'ai repère au Tika, non? Ok. Mort? Pas mort encore. Prochain tour. Peut-être pouvoir récupérer même les tous les scientifiques. Je me pose cette question là actuellement. Est-ce qu'ils vont refuser Emily? Voilà, moi je suis déjà à 97. Et personne va vouloir la jouer. Pauvre Emily. Merci, merci beaucoup Disto. On fait FFA Anonymous, tu viens? Non. On refera un FFA Anonymous dans un mois. Comme ça, on aura toujours un certain genre de hype, tu vois. Genre, on conserve le truc, les viewers ils attendent, ils sont là. Manguez. Je comprends, moi aussi je suis comme ça. Ah. Un projet, l'achat en foie, tout ce que j'ai. Et si je l'ai, j'ai le campus directement ici. Comme je suis le host, s'il y a un projet qui tombe et que j'ai assez de points, 97. Je devais faire la moitié, donc on va dire 40, on va dire 50. Ah, ça sera pas assez. Non, c'est bon. Oh. J'avais assez. J'ai en dit 3.
J'en ai eu 3. On va attaquer un peu. Se faire un peu d'XP. Ouais, c'est fini. C'est fini pour madame. On va faire ça. Pelepepem. Plus. Voilà, 14 activités. Et on est bien. Et là, on est tellement bien qu'on n'a plus rien à foutre. Non, on va pas réparer ça. On va faire l'université 10 tours, c'est bon. On va faire plutôt la zone indus, du coup. Ça me fait penser ça. Ah d'accord. Putain, on peut pas passer sauf avec un ingénieur. Alors, il est où le 4? Bah là, j'ai un 4. On va aller là. Et puis, on va remonter l'arbre du bas, tout simplement. Ah, Boone, tu vas où, là? Ouais, tu vas là, hein. Je pense que c'est la main ville au milieu. Je pense que ça c'est... Si on peut, on pourra pas. On pourra pas. On pourra pas mettre de rure. Mais on mettra le Magnus à la fin. Là-haut. Et maintenant on a de la côte. Donc on a des traders disponibles. Vers notre ami Inca. Évidemment. Notre seul ami dans la partie. Poisson 5. Poisson 5. Il y a un 5 coup. Oh, j'ai gagné 200 points de faveur. C'est lourd. Dans le lac. Ah ouais, super. Bien joué, les gars. Bah, allez, let's go. Nazca, c'est pas ça qu'on pensait, mais bon. Boîte lycée, on va mettre là, on va faire dodo, on va remonter un petit peu ici. C'est tout pas en plus. Je pense qu'on aura du mal à conserver le plus 5.
Je fais des moves. J'ai fait des moves. Et on va faire les trois archers quand même parce que. On aime bien faire des Eureka quand même. Parce qu'on n'est pas un animal. Donc qu'il sait sur first anyway. Et donc qu'il sait. Le mec il m'avait enlevé à Utaya, sinon c'est ok. You are already first. Aïe 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 aïe, c'est dur hein. Mais j'en supplie. Ma bonté. Ah. Bah du coup là c'est ouvert hein. On va monter. Ça c'est déjà des unités qui sont dans tes pré-build, donc bon. C'est normalement des meilleures unités. On lui fait traverser la rivière. C'est un déplacement de gagné. Centre de charbon partout, partout. 1 de charbon. Sur 2 landes accumulées. Tout va bien. Il y a un charbon là. Deux canons de campagne, on peut pas le faire ça vraiment. Urbanisation, on pourra pas le faire. C'est toi qui avais le plus de prod. 32, 27, 20, c'était la cape. De chop. Ok, et toi? CC, Massive Khmer. Oh là. Gado will minus, watch. Cette partie a l'air d'être finie. Mon allié qui met un minus. Mon allié qui met un minus. EV. Ça se respecte plus. Hein. Pas drôle les mecs. Hein. Big Friendship Australie. Aïe aïe aïe, ça dégoûte. Hein. Il y a un autre FFA qui peut être lancé rapidement. Si on arrive à le lancer avant 22, ce serait incroyable. Mais j'y crois pas. Putain, l'autre il veut pas que c'était mon deal. Please. Faites des trucs. Deux tours, c'est bien ça. En vrai. Central à Sharps. Faites pas ça. Faut régler cette situation. On va remonter l'apôtre aussi, c'est le chapelain, je rappelle.
On n'utilise pas sa foi actuellement parce qu'on savait pas trop dans quoi l'utiliser. On va remettre les stupas, tout simplement. Sauf là. Okay. 309 de culture, pas une seule place de théâtre. Voilà. Je viens de le dire quand même. Je pense que c'est un chiffre rigolo. Je pense que c'est rigolo. Toi, t'arriveras pas à pop 15. Hein. D'ailleurs, on peut te reswitcher maintenant. Et on a vu un truc intéressant. Indra pour. C'est qu'on a du charbon ici. Est-ce qu'on peut pas acheter un settler? Carrément, le mec. Si tu veux. Si tu veux. Hop. Deuxième game, qu'est-ce qu'on joue? On joue pas Khmer, hein. C'est fine, Neige, c'est bon? T'as le report? Pourquoi il est fâché dans le chat, le monsieur Gola? Il est fâché? Stop talking. Where are traders to me? Zéro trader. Zéro fucking trader. On passe par Auckland, etc. On fait des bails. D'ailleurs, faudrait qu'on aille prendre ce petit camp là. Je crois qu'on n'a pas d'épices en plus, non? Chevalier. Si on prend pas ça, personne ne le prendra. On aime le risque. J'ai déjà une route. Cette ville là. Couscous, let's go. Ah là là, le petit tunnel qui me met. En vrai, c'est vraiment cool. Ça rajoute des gueules parce que sa ville, ça a l'air d'être de la merde quand même. Hein. Je vais mettre une route sur le mec. Ok. Let's go. Let's go. Armurerie. Théorie scientifique. Ou les trois là. Les trois là, je pense. Ok. Théorie scientifique. Bonjour. L'apôtre. Là, faudrait quand même aller sur l'arbre du milieu en vrai. Ou alors je fais ça, je fais de la cavalerie là maintenant. Et on va acheter quelques chevaux, quelques coursiers direct. Je fais combien de chevaux par tour? Plus 8. Commencer après build. Voilà. Dans les autres villes, ça se passe correctement. Et on va voir enfin notre zone Indus ici. On va péter une 2-4. On va péter une 2-4, hein, parce que c'était. On peut faire que ça en fait. J'ai travaillé cette petite pierre là. C'est une 2-3. Oui, messieurs. C'est terrible. Ça sera bientôt une 2-4 quand on aura poudre à canon, mais pour le moment, c'est de la merde. 7 sur 20 au niveau diplôme. 11, 12, 17. Ouais.
Eh non. Oh, on m'a volé le Killua. Le Killua n'a pas pu être fini à temps. Et c'est bien dommage. T'es plus 8. C'est bien con. On aurait bien voulu avoir le Killua, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Eh oui. Allez, bim. Whistlebanken. Et la réduction. La double réduction d'ailleurs. On va aller travailler ça. On va repartir en menu. Hein. On a peut-être du land at shop, etc. Réaménager. Surtout qu'on reprend un autre mec derrière. Vas-y, fais des quartiers. Renaissance, non. Faudrait le prochain. Tenter une religieuse ? Ouais, c'est possible. Bam, l'éclaireur qui a tué son mentor. Ok. Et là de ce côté là, on a la petite cavalerie achetée. Petit chevalier aussi. Petit demeuré en plus. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Par contre, ça aurait été intéressant d'avoir une école militaire. En plus, il y a Ngazar dans la game. 7 du côté de Ngazar. Où est ma Amani? À Ngazar Gamou d'ailleurs. Bon. Falloir que je le reprenne à un moment. Ça c'est sûr. Mais si je déclare la guerre, c'est fini. Donc il faut que je le reprenne maintenant. Que je déclare. Le mec, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Il y a quand même les murs en préparation. Quartier résidentiel, certes. Encore du fer ici. 93 de prod. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cases. Mais elles ont de la valeur. Oh, je vais faire un petit projet d'Indus là. Et on va faire tourner une petite route interne aussi un moment. Toi t'as plus rien à faire. Fais donc un colon de tour pour aller setter le charbon. Ah, j'ai pas encore Moby. J'ai pas encore Moby. J'aurais Moby sur le up. Autant y aller maintenant. Alors, Ratumakos. Non, pas Ratumakos. Putain.
Je dois la prendre en dernière. Ligue Diplo. La réduction. On a quoi à up? On a rien à up. Hein. 23 goals. Non, on va prendre ça. On va refaire la petite perle là. Ah, le fog ici. Plus tard lui. Le report est prêt, nickel. Le goal est prêt comme jamais. Il est prêt comme jamais ici. Il est pas prêt comme jamais là. Après on l'attaque pas avec toute la puissance. Mobilisation prochain tour. On peut commencer à aller vraiment dans son land. Je pense qu'on va faire ça. Fin de tour. Et la chimie, histoire de rigoler. Où est-ce qu'il y avait un campement qui avait fait des trucs? Pas là. Commencez sur ça alors. Votirel. Votirel. Ouais, bah non, c'est bon. Je prends pas ça, moi. Donne-moi l'autre. S'il te plaît. On n'a pas énormément de gold, mais c'est aussi la cif qui veut ça. C'était fun, il a dit les mecs. Bah, j'espère que t'as eu du fun. C'est le principal. Ouf, taxe coloniale. Il est un peu lourd quand même. 47-43. J'avais oublié. Je l'avais oublié celui-là. Rendement pour les pillages. Parce que là, ça va piller sec. On va y aller. Hein. La cavalcade. Ok, la cavalcade était arrêté par un mur. Un mur. Plus de cavalcade. Il y a un charbon en or. Ouais, ouais, il y a du charbon un peu partout. Ouais, c'est Jacques. Hein. C'est Jacques. C'est chez Jacques. C'est vrai qu'il y a là, quand même. C'est vrai qu'il y a quand même là. C'est cavalerie qui tape le mieux.
Pas mal. Samoro Briva. Ça, c'est gaulois, ça? Pas sûr. Gaul, ouais. Gaul l'autre côté, quoi. Merde. Alors Filippo, qu'est-ce qu'il va nous faire? La cité interdite, putain. 4 tours. Non. Elle est où l'autre? Je l'ai pas, hein. Poisson. Le petit poisson. Ah, on va y aller au Domray. Domray 3 étoiles. Alors, ça c'est une unité de combat Liu. On va le faire après. Il est pas tout à fait là encore. Petite tech sympa. Voilà. On va mettre le mis sur écoute quand même. On te pille tout. Bon, il a poudre quand même. Peu de respect. Et là, bah, on reprend une petite monnaie pour aller aménager le land. Qu'est-ce qu'on a ici qui fait chier? Bah rien. La prod. Je fais les réseaux d'égout en un tour. Oh non, ça a pas converti ça. Mmh.
récupère ça. Petite 2-6. 7 tours au projet, au quartier. Ouais, tu vas te barrer, toi. Toi, tu te barres prochain tour. Et non. Les cités-états. Alors, quelles cités-états font chier dans la game? Ou qu'on devrait bien récupérer. Armag, Candy, et il y avait donc Vatican. Pff, je m'en fous, moi. Et pas ces émissaires. Ça pourrait avoir beaucoup plus de science, mais... Bon. Ouais, beaucoup plus de... Deux fois de science, il y a quand même 5 cités-états. On n'a pas le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un peu chaud. On peut enlever les scientifiques, de toute façon on les a pas. On va se remettre le diplôme au cas où. Un petit peu de judaïsme pour tout le monde. Hop, et c'est bon. I'm guessing that she's playing me. Yeah, exactly. Hello, is this? Hop, you're well. Le petit gars, il y a un cas. Ah non, mais le petit gars. Oh, il est parti, l'inca. Ah, mais l'inca, il est parti, en fait. Ah, la petite usine. Ah, le petit zoo. Oui, bon, bah, lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il est mort, morto. Me dis pas qu'on n'a pas fait navigation astronomique. C'est bien, vas-y, là. Je sais plus quoi faire. Cette ville-là, bon... La roue est possible ici. La roue est pas possible là. La roue est pas possible là. La roue a l'air d'être possible que là. Mais écoute. Let's go. Let's go. Let's go. Non, ça je peux pas. Je veux. Problème. J'aimerais. Marrant, hein. Marrant quand même la cavalerie. Je pense que je referai plus. Ouais, hein. Allez, le coup est brisé. Le coup merci. Est brisé. Merci beaucoup. On a oublié qu'on allait les battre. Deux émissaires. Un général ? Arrêtez. Ça fait du bruit. Ça m'énerve. Oui. Ah bah non. Ah bah non, 0 sur 4, merde. Merde, shit. Oh non. Ah si. Yes, let's go. Let's go. Plus 25, parce qu'il y a l'apôtre à côté, Chaplin. Bonjour, Imboulaï. Let's go. Nice. Attendez quand même.
Moins 12 goals par tour. Mon dieu, nous n'allons pas y arriver. On va mourir. Non, en fait. En fait, ça va. En fait, tout va bien. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. Je m'en fous, c'est une ville colisée, l'autre. Quoi ? GG ? Ah bah, GG alors. Hein. Ah bah, c'était une belle game. Hein. Le spawn était bien, hein. Le spawn était bien, on a eu des problèmes au niveau des tiles un petit peu. On reworkait plus grand chose au bout d'un moment à cause des montagnes, etc. GG, merci. Merci GG. Merci. Merci Lloyd pour l'abonnement offert à la communauté de Lège. C'est son premier abonnement cadeau sur cette chaîne. Merci beaucoup à toi pour Chikisan. Merci. Merci Laboku. Eraziali. Yeah, yeah, yeah. Bon. C'est quoi les bons tips de cette game? Joli spawn 1K. Joli spawn 1K. Ouais, on aime quand même. Ouais, ah oui, pardon, le mien. Ah oui, my spawn was very good Inca spawn. I agree. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que le setup Indus, il était important de le voir assez rapidement. Et de pas se niquer justement trop de quartiers au milieu. Parce que le setup Indus avec le Khmer, c'est vraiment ce qui va vous faire votre prod. Ça vous donne de l'activité en plus. Donc, du coup, c'est extrêmement important. Vous allez me dire, oui, mais on a la prod avec la foi. Oui, mais quand on a que de la foi, en fait, on fait pas de condition de victoire, à part quand on s'appelle la Russie. Donc, faut faire attention quand même. Le plus gros tips, je pense que le plus gros tips, c'est l'adaptation sur la religion. Je pense que 34 villes dominantes du côté du judaïsme, c'est grâce au prédicateur itinérant. J'avais pas besoin de foi supplémentaire en début de partie, j'étais très très à l'aise. Est-ce que j'avais besoin de 2 golds ou 4 golds en plus, voire 6 golds dans mes 3 premières villes? Bah pas vraiment, parce que j'avais un petit plus 5 et j'avais pas besoin d'acheter énormément de cases non plus. J'étais pas à la dèche, comme on peut être anti-meur, on a besoin d'un plus 6. Alors que prédicateur itinérant, on savait qu'on était proche de plusieurs civilisations. Voilà, Australie, Gaul et Dido. Et donc on prend son choix en compte. Et quand on a cliqué Dim, on a pris je ne sais plus combien de gold. Je crois une trentaine de gold. Et là, on est à 70 gold par tour. Ouais, il y a un Barking Gang qui aboie derrière moi. Merci encore, Lloyd.